Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quelque chose? Qu'est-ce que tu as? Jolie demoiselle, c'est à toi que je m'adresse. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu cherches? Et en plus, tu pleures sous un chaud soleil comme celui-ci. Réponds-moi. Je cherche mon argent. Je cherche mon argent. Ton argent? Où est-ce que tu l'avais gardé? Je l'avais gardé ici, dans ma poche. Je ne sais pas si c'est tombé. Tu l'as bien gardé dans ta poche, mais pourtant tu le cherches. J'ai déjà cherché. Tu sais, l'argent peut-être. Ce n'est pas ici. Hey. Aïe, aïe, aïe. Oh non, ça va. Arrête de pleurer. Pleurer ne va pas résoudre ton problème. Tu auras toujours ton problème. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Ma tante va me tuer si je ne rentre pas avec cet argent. C'est l'argent du pain que j'ai vendu. Oh. Ta tante t'a envoyé vendre du pain. Et ton argent est perdu. Oh. Désolé. Il s'agissait à peu près de combien? 7300 naira. Oh, seulement ça? 7300 naira. Oui. Juste 7300 naira. Avant le soir, celui qui a ramassé aura déjà dépensé. Et les gens parleront à la boutique. Oui, mais ma tante va me tuer. Essuie tes larmes. Personne va te tuer, je suis là. Ma tante va me tuer. Je vais te donner cet argent. Je vais te donner cet argent. Monsieur, vous êtes sérieux? S'il vous plaît, ma tante va me tuer. Elle va me tuer, s'il vous plaît. Comment ça, idioma? Idioma, es-tu sérieuse? Ai-je l'air de blaguer? Je vais te donner. Attends. J'ai pas des liquidités sur moi. Tu dois me suivre dans ma boutique. C'est de l'autre côté de la rue. Tu dois juste me suivre et puis je te donnerai Monsieur, de l'argent et puis tu t'en iras. Je vais vous suivre n'importe où. Dites-le juste, je vais vous suivre. Du moment où vous Arrête me donnez de l'argent. Tu pleures pour 7300 naira. Je vais vous suivre. Ah, allons-y. Pour 7300 naira, et tu veux te tuer sous le soleil? Sous ce soleil ardent. Merci, monsieur. Merci. Arrête de pleurer. Et quand je te posais la question, tu restais calme et tu cherchais l'argent. 7300 naira. Suis-moi, je vais te donner cet argent. Oga Marcus, bonsoir. Ah, Heidi? Hein? Tu viens de me saluer? Ah, bien sûr. Ou bien, tu ne l'as pas aimé? Ha! Mamma mia. Oh, wow. Vraiment. Alors, cette soirée doit être très spéciale. Parce que je suis surpris que tu aies décidé de me saluer de ton propre gré. Je ne comprends pas. Je ne te salue pas souvent. C'est pas comme si tu ne me salues pas souvent, mais tu sais, souvent je te force pour me saluer. Et parfois, quand je veux blaguer avec toi, tu m'insultes, tu sais. Oh, ça, c'est parce que je n'aime pas le genre de blagues et de sales jeux que tu aimes faire avec moi. Ah, hey, IJ, ma beauté, tu n'es pas une petite fille, hein? Tu es assez grande pour continuer de jouer à celle qui veut rester seule. Commence à te comporter comme, tu sais, une grande fille. Sois une grande fille, tu sais. Eh ouais, s'il te plaît. Je n'aime pas ça. Arrête de me perturber avec ça, si tu veux que je continue de te saluer. AJ, écoute, je suis un beau garçon. Mamie, tout le monde le sait. Hein? Je t'aime. Hein? Et je suis sucré salé. Je suis sucré salé, tu sais. Tu aimes qui? Toi? Tu aimes qui? Toi? Écoute-moi bien, que ma tante ne t'entende pas, sinon j'aurai de très gros ennuis. Aimer, ne va pas chercher les filles de ta catégorie pour aimer. Mamma mia,
Je n'aime pas cette fille. Je n'apprécie pas le fait qu'elle me fasse chaque fois vivre des moments difficiles. Mais je suis le Mamma Mia international. Le Mamma Mia n'abandonne jamais. Sauf si, tu vois, je coûte cher. Parce que je suis sucré-salé. Sucré-salé, tu sais. Sucré-salé, tu sais. Ouais, tout le monde le sait. Hein? Pourquoi rentres-tu à cette heure? Je pensais t'avoir dit de tout vendre avant de rentrer, parce que j'ai besoin de cet argent. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout vendu. Tu as fini de vendre? Oui, tantine. À cette heure? Oui, tantine. Je suis allée à la gare routière pour vendre le pain et j'ai tout vendu là-bas. Hé hé! Donc nous avions une mine d'or sous notre nez sans le savoir. J'espère que tu as trouvé une place à cet endroit, parce que tu y seras permanemment. Mais tantine, ce n'est pas facile, oh, ce n'est vraiment pas facile. Je ne peux pas continuer d'y aller. Il y a trop de sous-tireurs de ce côté. Il y a des gens qui font peur là-bas. Et elle fait comme un enfant de riche. Laisse-moi ça. Donc tu as lu dans leurs pensées pour savoir s'ils sont des voleurs? Hein? Ne commence pas à trouver des... Attends, attends. Quoi? J'espère que tu ne trouves pas d'excuses pour me dire que quelqu'un a touché mon argent. Parce non, que je tantine, vais te déchirer. Tantine, faut... Passez ton argent ici. Voilà. Ce que je dis est que c'est très risqué. Je ne peux pas avoir la même chance. Pardon, tais-toi. Laisse-moi me concentrer pour compter ce qui est devant mes yeux. Et si quelque chose manque ici, hey, commence à aller chercher une place au cimetière parce que tu verras. Tu verras ce que je vais te faire. Hey. C'est complet. Ah, ma chérie. Hé, hey, écoute. Prépare-toi à porter le parapluie pour aller rester là-bas parce que tu vas désormais vendre là-bas. Hein? C'est ton nouveau point de vente. Bien joué. Va garder le plateau à l'intérieur, s'il te plaît. Bien joué. Hé, hey, quel miracle. Ah, ah. Tu restes là à me regarder. Pourtant, c'est toi qui l'as découvert. Ok, ce générateur a l'air très bien. Prenez-le. En fait, je voudrais un générateur qui pourra supporter tous mes appareils, parce que j'en ai beaucoup à la maison. Je veux quelque chose de durable, quelque chose de solide, quelque chose de... Vous voyez? Voulez-vous parler d'un grand générateur électrique? Oui, du costaud. Ça veut dire que vous pouvez prendre un à la puissance 5 kVA. Ouais, est-ce que vous avez une machine à laver? Oui. Vous avez... un ventilateur, oui. Un climatiseur, uh-huh. Un appareil du 5 kVA, ah, il va parfaitement. Et celui-là comment? Il est bon, les gens l'achètent. Je ne pense pas que je pourrais l'aimer. Mon voisin en a un pareil. Ça lui cause trop d'ennui, ce truc. Non, merci, pas pour moi. Vous quoi? Idioma, bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Hey, sois la bienvenue. Merci, monsieur. Viens t'asseoir par ici, ok? Je m'occupe du client. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Détends-toi, ok? Je vais m'occuper du client. Ok, oui. Si ceci ne vous dérange pas, j'ai un autre grand générateur, Lucien. Okay. Il est à l'extérieur et il y a aussi un sonorisé. Ça me paraît parfait. D'accord, allons à l'extérieur. Simple. Je voudrais quelque chose de... Tu vois le genre? Qui pourra supporter... Qui va supporter vos appareils. Oui, ah, et aussi voilà. Insonoriser. Je vous en prie. Vous voyez celui-ci. Mm-hmm. Il est aussi bon. Il peut faire marcher n'importe quel appareil, n'importe lequel. Quant à celui qui est insonorisé, il est juste là, derrière. Venez voir l'insonorisé. C'est ce dont vous avez besoin. Oui. Oui, c'est là. Ça va tout alimenter dans votre maison. Votre maison, votre machine à laver, votre télévision. Hey. Idioma. Agathe, il est t'es la bienvenue. Bienvenue. Merci, monsieur. Tu as fini de vendre ton pain? Oui, monsieur. À cette heure? Oui, monsieur. Tu es une brave fille. Une brave fille. Oh, sois la bienvenue. Assieds-toi. Merci, monsieur. Hey. Détends-toi. Hey. Bienvenue, oh. Hey. Et j'ai bébé. Monsieur. Bienvenue. Merci. Ah, pas de corps. Monsieur Tinedu. Je suis venue vous remercier pour ce que vous avez fait hier pour moi.
Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment reconnaissante. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est rien, nous faisons de notre mieux. Et seul Dieu se chargera du reste. S'il te plaît. Arrête de m'appeler. Monsieur. J'aime pas ça. Tu ne fais que m'appeler. Monsieur. Depuis hier jusqu'à présent. C'est quand nous étions gamins qu'on appelait l'enseignant de la classe. Monsieur, moi, je suis pas un enseignant, moi. Je suis un homme d'affaires. Appelle-moi. Tinedou, le plus vendeur de tous les appareils électroménagers. Import et export. Tac, c'est où tu me verras. Comme tu peux le voir, ma boutique est pleine. Je peux le voir. Hey, votre boutique est bien fournie. Hein? Wakanako. Donc c'est ce que t'appelles bien fournie. T'as pas encore tout vu. J'ai une autre boutique derrière celle-ci. Une boutique encore plus grande. J'ai des clients là-bas tout le temps. Ouais, j'ai des garçons qui travaillent pour moi. De grands et costauds garçons, si tu le vois. Ce sont des criminels. Ils me volent de l'argent tout le temps pensant qu'ils vont me ruiner. Mais jamais ça n'arrivera. Parce que Tinedou a réussi. Certains d'entre eux ont construit dans leur village. D'autres ont des voitures qu'ils cachent quelque part. Pensant que je ne sais pas. Mais je m'en fiche. Akako Kalkikebo. Hey Yao. Vous vous en sortez très bien. Merci. Ça veut dire que vous devez rouler sur de l'or. Répète-le. Ouais, eh bien, tu peux le dire. L'argent, c'est pas mon problème. Gloire soit rendue à Dieu. Mon problème, c'est comment le dépenser. Il en a là où on me gagne qu'on kippe. C'est ça. Les gens, ils sont là pour parler tout le temps. Et ils ne disent rien de bon. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi t'acheter quelque chose, au moins un truc à boire. Je veux bien, monsieur, merci. Pas la peine, comment? Non. Samuel, viens, Samuel. Samuel, viens par ici et dépêche-toi. Viens vite, acheter à boire à mon invité. Tu veux qu'on t'achète quoi? Du Coca-Cola. Ah. Ma chérie, t'as de la chance, hein? Ta tante t'aurait mangé cru si t'étais revenue les mains vides. Tu dis quoi? Elle m'aurait tué, je te jure. Ou me chasser de la maison. Écoute, c'est Dieu qui a envoyé ce gentil monsieur avec un bon cœur sur mon chemin cet après-midi. Donc tu veux dire qu'il t'a donné le montant total d'argent que t'as perdu sans rien demander, juste comme ça? Je te le dis, juste comme ça, il l'a fait. Juste comme ça. Je l'ai juste suivi jusqu'à sa boutique, d'où il m'a donné l'argent. En fait, il m'a même donné 8000 naira et m'a dit de garder le reste pour moi. Mais c'est quelqu'un de bien, honnêtement. Il est gentil, hein? C'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Tu peux le redire encore. Mais attends. Ce type t'a juste donné le montant total, sans rien te demander en retour? Janet, tu as recommencé. Demander quoi en retour, par exemple? Oh, est-ce que je dois le crier sur tous les toits? Mais tu sais déjà ce qu'il demande quand il voit une belle fille. Qu'est-ce que tu ne comprends? Hey, idioma! Oui, tantine. Vous dites que vous faites des tresses, alors que vous êtes là à faire du commérage. Même la conférence de Betty n'avait pas mis autant de temps. Non, tantine, nous ne faisons pas de commérage. Nous parlons juste de mes cheveux. Oui, tantine Gozi, nous avons presque fini. S'il vous plaît, quels cheveux? Est-ce ça qui va te rendre belle? Hein? Lorsqu'on est laide, on est laide. Même si on lave le porc avec le javel, il sera toujours sale. Laissez-moi tout ça. Dépêche-toi, va me vendre le pain. Je ne sais même pas ce que vous êtes en train de faire là. Ah! Elle ne peut pas t'accorder du péril? Vendre du pain aujourd'hui, même le dimanche? Est-ce que j'ai le choix? Non. Je dois le faire. Tu as fini? Pas encore. Laisse-moi terminer ce bout. Hein? Où est cette fille? Idioma! Ma! Mais tantine, j'arrive! Hey! Idioma! Mais tantine! Que fais-tu à l'extérieur? Je lave les habits que tu m'as demandé de laver. Donc tu les laves toujours? Cette petite quantité d'habits que je t'ai donnée, tu les laves toujours? Hey, tantine, ces habits sont beaucoup. Regarde mes doigts, ils sont en train de se desquamer, tu vois? Ces habits sont beaucoup. Regarde mes doigts, ils se desquament. Juste dis, Jeans. Et cette chemise que je t'ai donnée,
C'est à cause de ça que tu veux dormir dehors. Hein? Tes égaux lavent des bassines de vêtements et gagnent de l'argent avec ça pour leur famille. Toi, tu es ici, en train de paresser. Tout fia! Paresseuse. Reste prendre soin de la maison. Je vais à une fête. Tantine, comme tu es en train de sortir, qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est ça qu'il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Hey! Ce que tu viens de dire me touche. Hey! Ce que tu viens de dire me touche jusqu'au fond de mon cœur. Avons-nous des épices dans la maison? Oui, tantine. Dépêche-toi alors. Va chercher le thym et le curry. Okay, tu viens tantine. Verser ça ici. Hein? Et tu manges. Viens me manger, non? Mange-moi alors, bébé au lait. N'importe quoi. Je suis en train de sortir pour aller me battre. Tu es là à me demander la nourriture. Si tu veux manger le canapé avant mon retour, dégage de là. Mamma mia. Marcus, Marcus. Hey, salut. Je suis très content. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, ma sœur. Comme tu peux le constater, je suis à terre. Hey. Je prends mon déjeuner. Je n'ai jamais vu un voisin aussi avare. Tu ne peux même pas m'inviter à ta compagnie. Il n'y a pas d'accompagnement pour du pain et de la sardine. Comme tu peux le voir, ceci n'est même pas suffisant pour moi tout seul. Tu comprends, encore moins pour deux personnes. Je sais que tu vas toujours trouver des excuses pour que je ne mange pas ta nourriture. Bon appétit. Je sais que tu me fais marcher, je sais. Habillée de la sorte, et... vraiment. Tourne-toi, laisse-moi voir à la dynamite. Tu ressembles à la petite amie de Burna Boy. Tu lui ressembles, tu sais. Tu vois ça. Mamma mia. Tu vois Tourne ça. Tourne encore, bébé. Tu vois ça. Où est-ce que tu vas? Je suis en train de sortir pour m'amuser avec les ambianceurs et les danseurs. Okay. Je ne sors pas avec des personnes ordinaires. Je sais. Je suis une gossy baby. Hey! Là-bas, il y aura de la nourriture chère, des boissons chères, du caviar, du vin. Pas ces concoctions locales que tu manges là. Je sais, je sais. Ok, je suis prête à y aller. Ok. Je reviens demain matin. Oh ouais. Ouais. On va s'amuser toute la nuit, bébé. Très bien. À plus. After party, after party, after party. De l'élo. Mamma mia. C'est tout ce que tu sais faire. Hein? Tu es comme une femme de gangster. Ouais, c'est à ça que tu ressembles. Comment espères-tu trouver un homme honnête pour s'occuper de toi? N'importe quoi. Chaque soir, je vais m'amuser. Mamma mia. Edgy, Edgy. Regarde comme tu m'as l'air si seule. Comme une fille malienne. Tu es une vraie malienne. Mamma mia, viens t'asseoir. Je peux voir que tu as faim. Dis-moi, hein, mange. Je t'ai toujours dit, hein, je t'ai toujours dit de te rapprocher de moi. Approche-moi. Parce que si tu lis Hébreux 14, verset 40, il est dit, laissez venir à moi les petits enfants. Tu comprends? Viens à moi et je prendrai soin de toi. Tu comprends? Bien, bien. Bon appétit. Vas-y, mange. Je peux voir que tu avais vraiment faim. Ouais. Mange. Prends encore. Calme-toi. Mange comme une dame. C'est bon, n'est-ce pas? Bois. C'est ça. Qui est là? Tante Gozi, c'est toi? Edgy, c'est moi, Marcus. Oga Marcus. Ouais, ouvre la porte. Edgy. Salut. Mamma mia. Edgy. Oh. Tu es très belle la nuit. Mamma mia. Ah, je t'ai apporté quelque chose. Mais je... On dirait que tu allais déjà te coucher. Oui, je m'apprêtais à dormir. Ah. Qu'est-ce que tu as là? Doucement, tu sais.
Je suis Marcus, alias sucré salé. Je t'ai apporté du shawarma. Non. C'est quoi? Non. Ce n'est pas... C'est shawarma. Oui, shawarma. Tu sais, c'est quand l'Afrique du Sud et Manchester ont fait la guerre. Ouais, c'est là où on a découvert le shawarma. Tu sais, c'est une nourriture spéciale qui vient de l'étranger. Ouais, cette nuit est la tienne. Mamma mia, tu sais. Voilà, comme ta tante n'est pas là, tu vois, elle est sortie pour aller s'amuser, tu vois. Eh bien, nous aussi, on va s'amuser ici, tout seul. Ok. Ouais. Tu veux qu'on s'amuse tous les deux? Tout seul. Mamma mia. Pas ouais. De problème, hein. J'ai aussi ajouté quelques petits morceaux de soya. Hey, j'aime beaucoup le soya. Mamma mia. Ouais. J'ai apporté du vin. Ouais. Ce vin, on l'appelle sainte apostolique. Ouais. Tu sais, ce vin, quand tu le bois, il va stabiliser et recycler ton monobo monogata. Mm-hmm. Tu comprends? Tu vois? Et puis après, ça remonte dans l'esprit et tu commences à parler en langue. Chaka paka, chaka paka, chaka paka, chaka paka. Yeah. Ouais. Ma soeur. Pas de souci, pas de problème. Voilà, ça c'est le soya. Attends. Et si ma tante revenait et te trouvait ici? Tu sais qu'elle se fait tard. En fait, tu peux laisser tout ce qui est ici et partir. Écoute, j'ai très bien fait tous mes plans. Je suis venu ici avec un objectif. Tu comprends? Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Tu comprends? C'est Matthieu 14, verset 40. Ta tante ne va pas rentrer ce soir. Tu vois? Donc ce soir, c'est juste toi et moi. Alors ne t'inquiète pas, on est en sécurité. Comme je l'ai dit, tout seul. Ah, on dirait que tu as un truc là. Ouais. Alors ça, c'est ton shawarma. Mais, attends une minute. Garde bien ceci dans tes archives. Que moi, Marcus, le Mamma Mia International, alias sucré salé, tu sais, je suis la première personne qui t'a offert le shawarma. Non, sans problème. Sans problème. Ne t'inquiète pas. Tu comprends? Ah, mamma mia. Donc après, on prendra un peu de vin. Qu'est-ce que c'est? Tineke, Gansi, tu souffres. Qu'est-ce que ce fils de pute fait allongé devant ma maison? Donc c'est comme ça que les gens viennent verser toutes leurs poubelles devant ma maison. Hein? Hey, Gansi, qu'est-ce que... Hey, il pue l'alcool. Et après ça, il va commencer à uriner et à faire les selles devant ma maison. S'il n'a même pas commencé à vomir. Oh mon Dieu. Viens, Idioma. Oui, qu'est-ce que ce bon n'a rien fait devant ma maison? Hein? Qu'est-ce que tu faisais avec ce bon à rien pour qu'il soit devant ma porte et non devant la sienne? Tati, je ne faisais rien avec lui. Oh. Je pensais qu'il venait juste de rentrer à la maison avec toi. Qu'est-ce que je raconte? Rentrer avec moi d'où? M'as-tu vu sortir avec lui hier soir? Hein? Comment pourrais-je rentrer avec lui? Va rapidement me chercher de l'eau pour que je réveille ce bon à rien. C'est quoi cette connerie? Avec une eau bien fraîche, je pense que cet idiot va se réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Apporte ça, apporte. Lève-toi, mon ami. Feu. Quel feu? Le feu que tu vois, c'est ce qui est à l'intérieur de ton cerveau, dans ta tête.
C'est ce feu qui a brûlé tout ce qui est à l'intérieur de ta tête là. Ce que tu es supposé utiliser pour raisonner. N'importe quoi. Et toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es normal? Pourquoi tu poses cette question stupide? Madame Gossi, vous êtes une sorcière. Hein? Regardez ce que vous m'avez fait. Je suis sorcière? Tu n'es que... Ah, regardez-le. Donc, si je dois me balader partout, cherchant qui ensorceler, ça sera toi? Toi qui n'as aucun avenir, qui est comme un carton vide. Il y a quoi à ensorceler dans ton corps? Donc, tu as même le courage, après t'être mal comporté devant ma maison, d'ouvrir ta bouche et de me traiter de sorcière. Attends, je vais doser ça sur ta tête. Hé, attends. Dégage de là. Sinon, je vais casser ta grosse tête, espèce d'idiot. Regardez-moi ça. Hé, toi, quitte sur mon chemin, je veux passer, je suis pas d'humeur. Tu oses me traiter de sorcière. Joseph, mon ami. Content de te voir. Joseph, ami à moi. Hey. Comment tu vas? Alors, y a quoi? Qu'est-ce que tu écris? Les gens m'autoivent. Laisse-moi noter, s'il te plaît. C'est quoi ça? Je me rappelle de... Hein? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, mon frère? Groupe électrogène automatique. Aïe. Ce n'est pas l'orthographe correcte automatique. C'est automatique et non automatiqué. Ah! Mais c'est quoi ton problème? Quel est ton problème? Hein? Quelle que soit la façon d'écrire, est-ce que cela te regarde? La chose la plus importante, c'est de comprendre ce que j'écris. Hein? Chinédou. Mais concentre. Chinédou, sais-tu ce que tu es? Tu es exactement ce que Dofoma l'appelle Olodo. Hein? Olodo, c'est exactement ce que tu es. Ah! Tu dis avoir fait l'école primaire, mais ton orthographe est terrible. Ne peux-tu pas faire attention? Hein? C'est quoi cette manière d'écrire? Joseph, ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? Je te remercie. Ok. D'accord quoi. Qu'est-ce que Odofo Malo? Puisque nous parlons de lui, ou les Chilinka, Chikobi, Chinois Chibé, et tous les autres que tu connais. Hey. Toi qui épelles si bien, tu vas te en soir. Qu'est-ce que cela a ajouté à ton compte bancaire? Combien as-tu à ton compte Asa? Pardon, laisse-moi me concentrer. Regarde ça. Est-ce que tu connais ton problème? Tu ne vas jamais accepter que tu es un illettré. Hein? Un nonodo. Tu me traites d'illettré? Je suis et tout Brésil et tu me traites d'illettré? Pas de problème, j'accepte. Je suis un illettré. Mais toi, Tigobi, toi, Wale Seinka, toi, Chinois Chebe, où sont-ils? Pourtant, tu vas emprunter de l'argent chez un illettré. Tu viens demander de l'argent à Nolodo? T'as qu'à aller voir Tigobi et Achebe et emprunter de l'argent. Tu viens demander de l'argent à Nolodo? Allez. Je ne donne pas. Non, ne prends pas ça comme ça. Mais écoute, je blaguais juste avec toi. Ah bon, tu allez, comprends-moi. Allez, Yamani et Kabania. Dis-moi, c'est Nolodo. Calme-toi. Ce que je sais, c'est que je suis un homme d'affaires. Et non, Nolodo. Non, tu es un grand homme d'affaires et tu le sais. Tu ne peux pas être Nolodo, mec. Hein? Tu viens prêter de l'argent sur Nolodo. Fais attention, hein. Je suis Edu Brasil. Hey! Edu Brasil! Un grand homme d'affaires. Edu Brasil! Popo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tu peux parler à un grand homme d'affaires, Edu Brasil, que je suis? Le grand Edu Brasil. Je vois ce que je peux te donner. Hein? Dis-moi. Quand vas-tu te mettre en valeur? Qu'est-ce que tu veux dire par être sexy? Hey! Tous les jours, tu portes ces vêtements amples. Laisse-moi, regarde ce que je porte. Je suis en train de te dire comment le chat Omar est très bon, et toi, tu me parles d'être sexy. Hey! Je sais que c'est ta première fois de manger le shawarma. Quel genre de shawarma je n'ai pas déjà mangé? Oh Lochi, tais-toi! Je sais que tu aimes blaguer. Tu crois que c'est le shawarma que toi et Ankara avaient l'habitude de manger? Ce shawarma était spécial, oh. Il était très spécial, laisse-moi te dire. Toi, cette fille, tu me rabaisses. Tu me rabaisses beaucoup et je n'aime pas ça. Hein? Quel genre de shawarma je n'ai pas encore mangé? Ce n'est pas un pain plat? Avec de la viande braisée à l'intérieur? Regarde, fais attention. Fais vraiment attention. Parle de ce que tu ignores. Tu as déjà vraiment mangé les shawarma. Hein? Tu es là à parler pour rien. Je pensais que nous étions amis. Ah, pourquoi tu ne m'as même pas vu? Tu es tellement villageoise. Tu es juste là pour raconter. Tu es villageoise, je ne peux t'amener nulle part. Tais-toi. Mais c'est très très bon. Vas-y, raconte.
Hey. Hey, ma copine. Hein? Si je ne me retenais pas hier, hein? J'allais commettre la pire erreur de ma vie. Ah ah, commettre une grave erreur? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Tu connais Marcus? Marcus? Marcus qui vit dans notre camp. Ah oui, celui qui parle trop. Oui, je me rappelle. Hey. Que s'est-il passé? Il voulait me séduire à cause d'un simple shawarma. Ah ah. De séduire? Mm-hmm. Comment a-t-il procédé pour le faire? Il a apporté du shawarma, uh-huh. du soya hey. Et du vin blanc. Son intention était de me saouler, mais ça n'a pas marché. Je l'ai tout simplement dérouté. J'ai mangé son shawarma, mm-hmm. son soya. Hey. Je me suis rassurée qu'il boive le vin. Il a saoulé et a perdu connaissance. Hey. Ah, c'est la meilleure. Mais Dioma, tu es vraiment une mauvaise fille. Hein? Tu es vraiment mauvaise. Oh, Lottie, comment suis-je mauvaise? Tu es mauvaise, non? Comment c'est le cœur des hommes qui est mauvais, et non moi. Ah, donc tu pensais que j'allais boire le vin? Et j'ai bébé. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne pouvais pas me laisser faire. Eh, ok. Oh. Hein, Edo, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Tu sais que nous sommes amis depuis longtemps. Je te promets de te remettre l'argent aussitôt que je vendrai ces trucs. Est-ce que tu comptes t'enfuir avec mon argent? Que veux-tu dire? Tu dois me rembourser. Hein? Écoute, Joseph, t'es mon ami, mais je peux te donner cet argent hein, en une seule condition. Laquelle? Que tu donnes moi une garantie. Une garantie? Uh-huh. Ah, ah, tu ne peux pas dire ça. Ah, je suis ton meilleur ami. Oh. Comment peux-tu me demander une garantie? Hein? Joseph, je te rappelle que moi je fais les affaires. Hein. Il n'y a qu'un business, moi, comme un guillemet, mais je fais du business et tu dois donner moi une garantie. Tu me dis que tu vas me rembourser. Et est-ce que je vends l'argent? Est-ce que je vends l'argent? Pardon, je veux une garantie. Oh. Ok. Quel genre de garantie tu veux? Ah, oh, ok. Tu vas me donner une garantie avec quelque chose qui coûte 50 000 naira que t'es venu emprunter. Hein? Si t'as pas quelque chose de valeur, tu viens avec tes diplômes ou ton acte de naissance, quelque chose. Ouais. Hey! Recule, recule. Ah, ma puce. Bonjour, monsieur. Idéoma. Ah, bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ah, dis-moi, qui est-ce? Voici mon ami Oluchi. Nous étions juste de passage et avons décidé de passer vous saluer. Bonjour, bonjour, monsieur. Ah, c'est gentil, vous êtes chez vous ici. Bienvenue. Tu vois, partout ici, c'est ma boutique. Soyez le bienvenu. Merci, monsieur. Très bien, moi, on m'appelle Tinedo. Et tout Brésil. Et tout Uruguay. Ceci est ma boutique. Soyez le bienvenu. Merci, monsieur. Alors, vous êtes allé vendre? Et vous oui, avez monsieur. Décidé de passer me voir. Oui, c'est monsieur. Très attentionné de votre part. Oui, nous sommes allés vendre dans le parc, mais j'ai déjà terminé de vendre le mien. Oh, ça c'est bien. Oh, tu es une très bonne vendeuse. Tape-moi là. Tu l'avais dit. Et toi, tu vends des orchides. Et t'as pas encore fini de tout vendre. Pas de problème, tu vas finir ça aujourd'hui. D'accord. Ah, Dieu merci, t'es là. Idioma. Il faut passer me voir demain. J'ai quelque chose de très important à te donner. Eh. Oui. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Oh. Mon Dieu, c'est une surprise. Quand tu viendras demain, tu le verras. Il faut que tu passes juste me voir demain matin. Ok, je vais trouver du temps pour passer. Quand j'aurai terminé de prendre mon pain à la boulangerie, je viendrai. Il faut faire l'effort. Fais beaucoup l'effort pour venir. Faut pas oublier. C'est sans faute. Je sais que tu vas l'aimer. Merci, monsieur. Ok, attends. Aïe. Vous devez utiliser ceci pour acheter quelque chose à boire. Hein? Achetez-vous à boire. Faut bien partager. D'accord, reste, monsieur. Sans souci. Utilisez-le pour le transport. Vous pouvez rester avec la monnaie, d'accord? Merci, monsieur. La température est très élevée. Merci, monsieur. Merci. Rentrez okay. bien. Je ne vais pas oublier, monsieur. Garde bien l'argent. Ok. Au revoir, monsieur. C'est encore quoi son nom? Oluchi. Oluchi. Rentrez bien. Oh mon Dieu. Ok, Joseph, dépêche-toi, je suis en train de partir. Ah, Nedo, qui sont ces filles? Hein? Concentre-toi sur l'argent que t'es venu emprunter. Il faut savoir qui sont ces filles. T'es là pour emprunter des filles? Alors, comme je le disais, il faut que tu me donnes une garantie. Avant de prendre l'argent, une garantie, quelque chose qui peut valoir 50 000 naira. Et tu viens prendre cet argent cash. Nedo, comment tu peux dire ça? Hein? Tu n'es pas censé dire ça, voyons. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je ne dois pas dire ça.
Ce jeu, ici pour vous prêter de l'argent. C'est parce que t'es mon ami que je parle de ça. Ok, demande à Tige, ok. Lui, je donnais l'argent qu'il a emprunté. Est-ce que je lui ai même parlé? Je lui ai demandé d'aller voir ma secrétaire. C'est parce que c'est toi, je prends mes passés appels. Tu sais que t'es chanceux. S'il te plaît, prête-moi cet argent, je sais que tu peux le faire. Pourquoi tu penses? Ok, je te donnerai cet argent, mais tu dois me donner une garantie. Mais si quelque chose t'arrive maintenant, qui vais-je arrêter? Comment veux-tu que je te donne mon diplôme? Dans ce cas, il n'y a pas de prêt. S'il te plaît, mon ami, fais-moi s'il te plaît. Laisse-moi me concentrer. Ces gars me doivent encore de l'argent. On a vraiment été stressante. Je te dis. Toi, tu as de la chance. Tu as vendu tout ton plateau de pain. Moi, j'ai encore quand je vendais, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais assise. Qu'est-ce que tu croyais? J'étais voir ce gars qui me devait de l'argent. Il a refusé de me payer. Ah, ça ne m'étonne pas que tu aies porté cette robe aussi courte. Tu es allée voir ce gars. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais très bien où tu es. Oui, pense ce que tu veux. Tu sais très bien où tu es allée. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais ne te plains pas quand tu ne vends pas. Ah. Ok, oh. Ok, Idioma. À quelle heure précisément comptes-tu sortir demain? Où je peux venir te prendre? Non. Hey! Tu sais comment ma tantine peut être. La première chose qu'elle fera, c'est de se plaindre c'est et vrai. Ensuite t'embarrasser. S'il te plaît, retrouvons-nous à la gare routière comme d'habitude. Ok, d'accord, pas de problème. Mais bon, s'il te plaît, n'oublie pas d'apporter ma part d'argent. Peu importe ce que ton petit ami t'a donné quand j'étais le voir. Quel petit ami? Celui que tu m'as trouvé? Tinédou, bien sûr. Il m'a l'air d'être quelqu'un de bien. Eh bien, c'est un type bien. Mm-hmm. Mais ça ne fait pas de lui mon petit ami. Tout ce que tu connais sont des histoires de petit ami, Sugar Daddy, petit ami. Ah, hey, je rêve. Idioma, tu fais trop semblant. Je déteste les prétentieux. Ah ah, tu es trop prétentieuse. Et je n'aime pas marcher avec les personnes prétentieuses. Si Tinédou n'est pas ton petit ami, alors qui est-il? Néné spirituel? Donc, je ne peux plus avoir d'amis garçons? Hein? Je ne peux pas? Eh bien, je n'ai rien d'autre à te dire. On se voit demain. Hein? On se voit demain. Idioma! Idioma! Où est Tantine? Idioma! Où est Tantine? Viens, viens, place-toi ici. D'où sort cet argent? Qu'est-ce que cet argent fait dans ton sac? Tantine. Oh, tu es subitement muette. Donc, tu voles mon argent? Non, je ne suis pas une voleuse, je n'ai pas volé ton argent. Hein? Alors, cet argent ne vient-il pas de ce sac? Et ce sac ne t'appartient-il pas? Si, le sac m'appartient. Le sac et l'argent m'appartiennent. Le seul travail que tu fais à ma connaissance, c'est vendre du pain. De quelle autre façon aurais-tu pu avoir cet argent? Quelqu'un m'a fait cadeau de l'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements et me coiffer. Hey, hey. Donc, le Père Noël a commencé à travailler longtemps avant décembre. Un cadeau. C'est juste un ami. Ton ami. Un ami homme. Je le savais. Je l'avais remarqué. Je savais, j'ai remarqué que ta démarche avait changé. Tu as commencé à marcher comme ça. Je me suis appelée moi-même Ngozi et j'ai répondu, Ngozi, cet enfant fait des mauvaises choses. Elle fait des mauvaises choses. Tantine, je le jure, je ne fais rien. Non, je ne fais rien. Le type est juste mon ami et il aime aider, c'est tout. Je suis allée à sa boutique quand j'allais vendre et il m'a donné un peu d'argent. Ok, oh. Tu vas dire à ton bon samaritain, hein, car je sais qu'il est riche. Pourquoi je demande ton avis? Il est riche? Quelqu'un qui prend 10 000 et te donne ça comme ça. De toute façon, ceci, hein, ceci, c'est parti. C'est hein? Parti, je le saisis. Tantine. J'ai dit, qu'est-ce que tu as entendu? Cet argent, comme il entre ici, c'est parti. Et je vais chercher l'autre. Oh? Tantine. Thank you.
quelqu'un? Ok, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Samuel? Samuel, qu'est-ce que tu fais? Ne vois-tu pas quelqu'un? Désolé, madame. De quoi faites-vous? Mais, monsieur Chinedu, alors, vous ne m'avez pas reconnu? Vraiment désolé. Je vois que tu connais mon nom. Est-ce que nous nous connaissons? J'ai été ici, ça m'a fait quelques jours maintenant. Mais je n'étais pas correctement habillée. Ah, une minute. Ah, désolé. Mais je ne me souviens toujours pas de toi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Parce que je suis sur le point d'aller dans l'autre boutique où il y a mes gars. Je vais voir ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ça veut dire que je suis venue au bon moment. J'étais ici il y a quelques jours avec... Idioma, celle qui vend du pain. Oh. Idioma? Oui, Idioma. Une belle fille, mince et grande taille. Et vous... Hey, ma fille, laisse-moi encore regarder bien ta face. Je suis Oluchi, celle qui vendait les arachides. Oh! Maintenant, je me souviens. Tu me regardes différente aujourd'hui. Ah, tu n'as pas vendu aujourd'hui? Ouais, passez ton seau d'arachide. Non, je le fais occasionnellement, juste pour soutenir ma mère. Et ouais, je suis une étudiante. Et je veux faire un concours afin d'aller à l'université. Oui. Ça, c'est très, très, très bien. En fait, j'aime les gens qui prennent leur éducation très, très au sérieux. Ouais, j'adore ça. C'est vraiment intéressant. N'abandonne surtout pas. Oui, et je veux obtenir ma licence. Hein? Oui. Et je ne compte rien faire tant que je n'aurai pas obtenu mon diplôme d'entrée à l'université. Hey. Wow. Honnêtement, j'aime la façon dont tu parles. Pourquoi est-ce que Idioma, ton ami, ne parle pas comme toi? Hein? Pensez de la même façon que toi. Essayez de tout faire pour aller à l'école et composer son examen au lieu de vendre le pain chaque jour. C'est très bien. Très bonne initiative. Ah, pas de problème. Laisse-moi te donner quelque chose à boire. Va t'asseoir, ça arrive. Samuel? Assieds-toi, t'apporte quelque D'accord, chose à monsieur. Boire. Samuel! Mais où est-ce que t'es passé? Idioma. Tu vas bien? Galette. Oh mon Dieu, tu es en train de pleurer. Je faisais le point sur ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Guigny. Janet, je n'ai pas de problème. Je me rappelle juste quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Et cela me fait pleurer. Chai, ça a dû vraiment être douloureux pour toi pour que tu pleures ainsi. Hein? Oui, ça m'a attristée. Chaque fois que je me rappelle de comment mes rêves et espoirs ont été anéantis en juste un jour. Et cela me fait toujours pleurer. Désolée. Ça va aller, hein? Mais que s'est-il vraiment passé? Je suis si confuse. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Des fois, j'ai l'impression d'être maudite. Dieu nous en préserve. Tu ne peux pas être maudite. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Hein? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es maudite ou quelque chose du genre? Depuis que la mort a emporté mon père, on dirait que je suis condamnée à mener cette vie de misère et de souffrance pour toujours. Désolée. Ça va aller. Arrête de pleurer. Tout ira pour le mieux un jour ou l'autre. Arrête de pleurer. Merci. Merci. Désolée. Arrête de pleurer. As-tu mangé quelque chose? Jolie idée. Hi, ma. Je sais que tu ne bois pas d'alcool. C'est pour cela que je t'ai apporté ce vin de fruits. Je sais que tu vas l'adorer. C'est très bon. Très, très bon. Merci.
Viens, aide-moi. J'ai fait ça pour toi. Merci, bébé. Merci, béton, merci. J'ajoute encore. Non, non, ça va aller pour moi. Laisse-moi me servir aussi. Adam Alekamo. J'ajoute encore. J'ajoute un peu pour toi. Tiens. Fais-en. Fais-en comme, comme les Anglais. Wow. Santé. T'es un belé belé. Idioma. Oui. Je ne sais pas. Mais tu viens chez moi pour la première fois. Et tu dis que t'as pas faim. Je ne sais pas. Pourquoi? Honnêtement, monsieur, je n'ai pas faim. J'ai mangé avant de venir. Idioma, oublie ça. Oublie ça. Écoute, je peux cuisiner mieux que ces restaurateurs. Je peux cuisiner mieux qu'eux. Soit tu es timide, soit tu penses que tu ne peux pas bien cuisiner, mais c'est pas son problème. Bon, non, non. Laisse-moi t'en rajouter. Monsieur, en fait, je sais que vous savez cuisiner. Vous avez l'air de quelqu'un qui sait cuisiner. Ah bon? Très bien, arrêtons de parler de savoir ou pas cuisiner. La nourriture est déjà dans la marmite. C'est ma nourriture. Je peux la manger à tout moment ou bien la jeter. Mais je l'ai spécialement cuisinée pour toi. De quoi voulais-tu que l'on parle? C'est la raison pour laquelle je suis venue. Monsieur Chinedu, ma tante n'aimerait pas me voir retourner à l'école. Pourquoi? Mais j'ai décidé que je vais y retourner, que ça lui plaise ou non. Ça, c'est ma chérie. Voilà. Tap, 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 tap. Ça, c'est ma chérie. J'aime ça. Tu sais, l'école est très bien. Aller à l'école, c'est bien. C'est juste qu'à mon époque, je ne suis pas allé à l'école. Mais ce n'est pas un problème parce que j'ai de l'argent. Écoute, comme t'es ma copine, je vais m'assurer que tu étudies jusqu'où tu voudrais aller. Même si tu veux aller aux États-Unis, tu vas y aller. Aller au Congo, je vais t'y envoyer. Aller en Chine. Il y a le coronavirus en Chine. Tu n'iras pas en Chine. Je veux pas que ma copine meure de corona. Mais n'importe où, je vais t'y envoyer. Monsieur, une minute. Vous voulez dire que vous m'enverrez à l'école? Bien merci, sûr. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis au paradis. Merci, ouais, monsieur. Je suis au paradis. Merci. Dis encore. Pas de problème, pas de problème. Est-ce que je dois boire plus? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Amen. Merci beaucoup. Hey, ma chérie, laisse-moi te dire, oublie ta tante Ngozi. C'est la jalousie qui la dérange. Personne n'aime voir l'autre retourner à l'école. Mais ignore-la. Je vais te faire partie jusqu'au tuyau. Hey, merci beaucoup, monsieur. Je suis si heureuse. Merci Laisse-moi beaucoup. Rajouter la boisson. Je vous remercie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Une autre chose. Embrasse mon cœur. Laisse-moi voir si je peux aller au paradis voir l'ange Gabriel et revenir. Aïe. Je suis en train de me fuir avec ton corps comme si j'avais l'Ebola. J'enlève mes mains, tu as triché. Mais je vais te dire, ça ne change rien. Pas de problème, je vais toujours payer l'école. Bois ton vin. Si tu veux, cassons les verres. C'est pour moi. Est-ce que tu veux manger maintenant? Ah! Mamia! Ah! Encore ce genou, ça recommence. Ah, je dois aller me faire opérer, tu sais. Parce que chaque fois que je te vois, je ne peux pas rester sur mes deux pieds. Alors, ça fait quoi? D'être assise dehors, toute seule. Profitant du vent, toute seule. Hein? Pardon, laisse-moi tranquille, Oga Marcus. Je ne peux pas me tuer. La température est trop élevée. Ouais. La température est vraiment très chaude. Elle est vraiment chaude. En fait, si ça ne te dérange pas, nous... Tu vois, nous pouvons aller nager ensemble. Et faire notre barbecue. En fait, nous amuser ensemble, quoi. Tu sais, toi et moi. Hein? Marcus. Oui? Pardon? Hein? Nager ici? Ouais. Toi et moi savons que nous ne pouvons pas trouver ce genre de truc ici. Hey, tu t'adresses au Mamma Mia, tu comprends? Sucré, salé. Mmh. Je sais qu'il n'y a pas
de piscine ici. On n'a même pas besoin d'une piscine. Hein? J'ai une baignoire dans ma chambre. Hmm? Nous pouvons la transformer en, tu vois, en jacuzzi. Vraiment? Tu comprends? On peut acheter des souillas ou faire du barbecue. Vraiment? Hey, oui. Don Jazzy. Quoi de mieux? Pardon, arrête, s'il te plaît. Je n'ai pas assez d'énergie pour supporter tes blagues cet après-midi. Écoute, je ne blague pas. Hmm? Tu sais, je t'aime. Je ne blague pas. Je suis sérieux. Oh, Dieu merci. Ioma est de retour. Janet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu ne le connais pas encore? Il est là à me demander de venir nager dans sa baignoire. Ne fais pas attention à lui. Il semble avoir oublié ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'il a voulu faire cette connerie avec moi. C'est du n'importe quoi. Mamma mia, mon œil, tu comprends? N'importe quoi. Donc tu penses que tu peux encore réussir, hein? Tu penses que tu peux le refaire? Ce que tu m'as fait, cette fameuse nuit-là, hein? Fais attention. Mais les filles, vous ne savez pas ce que vous ratez. Je suis sucré-salé. Sucré-salé, vous savez. Tout le monde le sait. Toutes les deux, vous êtes en train de faire du bruit pour rien. Je peux vous gérer toutes les deux. Vous comprenez? Janet, que fais-tu avec ce type qui fait autant de bruit? Pourquoi perds-tu ton temps avec ce troubadour? S'il te plaît, viens. Je veux te montrer le cadeau qu'un vrai homme m'a offert. Viens, viens, allez. Marcus. Attends une minute. Montre-moi. Regarde ce que Tinedou m'a acheté. Waouh, un téléphone. Chut. Hey. Hey. Un téléphone? Je ne veux pas que quelqu'un sache que ça m'appartient. Particulièrement ma tante. Ah. Pourquoi? Mais elle est au courant de ta relation avec Chinedu. Oui, bien sûr. Mais quand elle verra ce téléphone, elle va le récupérer et insister que Chinedu m'achète un autre téléphone. Hein? C'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Hey, tante Ngozi. Alors, que comptes-tu faire de celui-ci? Attends, laisse-moi réfléchir. Ok, j'ai trouvé. Tu garderas le téléphone pour moi. À chaque fois que Chinedu appellera, tu répondras et je recevrai le message. Tu comprends? Tu sais que t'es mon amie, alors je peux faire ça pour toi. Ha, merci. En plus, ce n'est pas tout. Tinedo a décidé de payer pour mon examen d'entrée à l'université. Il a aussi dit que si je passe et que je suis admise, il financera ma formation. Waouh! Intéressant. Ah oui, ça, c'est le meilleur scoop de la journée. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Tu vois, je t'ai toujours dit de ne jamais perdre espoir. Maintenant, tu vois que j'ai raison. Mm-hmm. Je sais que tu as toujours raison. Alors, tu peux maintenant m'appeler prophétesse. Hey, amen. Prophétesse. Tantine, bonsoir. Idioma. Oui, tantine. Depuis que je t'ai envoyée au marché, c'est maintenant que tu reviens? Je suis désolée, tantine. Je ne savais pas que j'avais mis si long. Certainement, tu es allée ailleurs après le marché. Où étais-tu exactement? Tantine, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Mais j'ai rencontré Chinedu sur mon chemin de retour. Et il m'a forcé d'aller voir où il habite. Donc maintenant, tu vas chez les hommes. Hein? Il t'a forcé. Je t'ai envoyé au marché. Tu quittes le marché, tu vas dans la maison d'un homme pour aller flirter. Hein? Non, tantine, on n'a rien fait. Il m'a juste montré sa maison. Je ne suis même pas restée longtemps. Vous n'avez rien fait? Je le jure. Même pas quelque chose de léger? Non, tantine, je le jure, on n'a rien fait. Même s'il voulait me toucher, je ne l'aurais pas permis. Sainte Vierge. Bon, ce que tu vas faire maintenant, hein, c'est me suivre dans ma chambre. Tu vas te coucher et ouvrir tes jambes. Je vais vérifier. Tantine, je le jure. Tu dois me croire, je n'ai rien fait. Hey, je te crois. Est-ce que je t'ai dit que je ne te croyais pas? Je te crois, c'est pourquoi je veux t'amener dans la chambre pour vérifier que tout est encore intact. Parce que dans ma maison, les grossesses indésirables, ça n'arrivera jamais. Donc tu ferais mieux de me suivre dans ma chambre. Je vais vérifier. On va dans ma chambre, suis-moi maintenant. Et si j'arrive là-bas,
et je ne te vois pas. Tu auras de mes nouvelles. Idioma, donc tu veux me dire que ta tante a ouvert tes jambes pour Veiji? Oui, oh, elle l'a fait. Mais tu sais quoi? Je suis si heureuse parce qu'en fait, ce qu'elle s'attendait à voir, au final, ce n'était pas ça. Mais mon Dieu m'a innocentée et elle était déçue, tu vois? Hey! Donc, Idioma, tu essaies de me dire que tu es encore vierge? Oh, tu veux aussi vérifier pour confirmer? Viens vérifier. Si je mets mon doigt là-bas, je vais te déchirer ça et t'initier à la vie de femme. N'importe quoi. À ton âge, tu es encore vierge. Toi, cette fille, tu sais que tu es une vilaine fille. Tu es une très vilaine fille. Des fois, je me demande, tu vois, je me pose la question de savoir ce qu'une bonne fille comme moi fait en compagnie d'une fille comme toi, Olutie. Regarde ta robe. Quand tu marches, tu la tires. Tu aurais juste pu porter un slip. Cette robe n'est pas courte. C'est juste parce que tu ne connais pas la tendance de l'heure. C'est du Gucci. Donc si les gens qui connaissent la mode sortent, tu vas les joindre? Regardez-la. Avec sa jupe et son large t-shirt. Laisse-moi comme je suis. Père Rachid. Oui, oh, oui. Venez. Venez vendre. Oui, monsieur, nous arrivons. Où est-ce que tu vas? Hey! Olushi, où est-ce que tu vas? Tu vois bien que c'est un gangster. Et en plus, il fume. Ah, c'est pas vrai. Quel est ton problème? Tu veux vendre ton pain et moi mes arachis? On y va. De quoi as-tu peur? Allez, viens, on y va. Monsieur, nous arrivons. Ah, les clients, nous arrivons. Bonjour, monsieur. Oui, bienvenue. Merci. Et tes arachides, là, c'est pour aujourd'hui? Oui, monsieur, c'est pour ce jour. Je les ai moi-même grillés ce matin. Tu es sûr? Ce matin. Ah, ah, je vous assure. Oh. Et ton pain là, c'est pour aujourd'hui? Oui, c'est pour aujourd'hui. Nous sommes allés à la boulangerie à la chute. Ok, fais-moi voir tes arachides. D'accord. Hey. Mais monsieur, vous ne devez pas l'ouvrir. C'est pas encore payé. Ne t'en fais pas, je vais payer. Laisse-moi vérifier si c'est pour aujourd'hui. Je confirme. Je vous l'avais dit. Je laissais moi-même crier. D'accord. Venez nous vendre. Venez. Oui, nous arrivons. Allez, viens. Oui, nous arrivons. Change d'attitude. Parsi. Oui, nous sommes nombreux. Hey! Mes amis et moi allons acheter tous les arachides de l'épaule que vous avez. Les arachides de combien as-tu? 2000 naira. Juste 2000 naira? Oui. Je te donnerai 4000. Hey! 4000 naira, même viens. Pour le pas, je te donnerai 5000 naira. Hein? Hey! Celle qui est noire la fera l'affaire. Dis donc, laisse ça, regarde celle qui est claire. Non, laisse tomber celle-là, regarde l'emballage. Je t'approche. Regarde. Viens là. Hey, tu n'es d'où? Écoute-toi parler. Ça ne pèse même pas dans ta bouche. Tu n'as même pas honte de le dire. Hein? Mon ami, avec tout l'argent que tu dépenses sur cette fille, tu n'as même pas encore essayé de voir la couleur de son slip. Tais-toi là-bas. C'est quoi ton problème? Hey! Écoute, si je vais au paradis et te trouve là-bas, je vais rassembler tout le monde qui y habite et leur dire que t'es pas de là. Et je vais crier jusqu'à ce que l'on te renvoie d'où tu appartiens. Quel est ton problème? Hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne suis pas dans la précipitation de voir ce que tu veux voir. Hein? Tu veux voir la couleur? Je suis pas pressé car c'est mon investissement spécial. Pouah, ton investissement spécial? Ok, pas de problème. Hmm? Reste là à investir sur elle. Pendant qu'un autre homme, quelque part, profite de l'investissement global. Joseph, c'est quoi ton problème? Ça ne va pas dans ta tête? T'es saoul ou quoi? Est-ce que tu te rends compte que la personne dont nous parlons, c'est mon investissement? C'est la fille que j'aimerais épouser et tu parles d'elle de la sorte? C'est quoi ton problème? Mêle-toi de tes affaires. Eh bien, je suis désolé. Mais je dois te dire la vérité en tant qu'un ami. Il s'agit de donner de recevoir quelque chose en retour, hein? Et en plus, tu es un homme d'affaires qui a du succès. Tu devrais le savoir.
Si tu investis quelque chose quelque part, tu es censé recevoir quelque chose en retour. Ça ne te concerne pas. Mais voyons, pas. Il faut réfléchir. Ça ne te concerne pas, Joseph. C'est quoi ton problème? Cet investissement, c'est le mien et non le tien. Laisse-le-moi. Laisse-le-moi. En quoi ça te concerne? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Tous les jours, blablabla. Tu utilises ta bouche pour créer des ennuis. À la marque de Basalia. Attends, je regarde qui m'appelle. C'est un numéro inconnu. Je connais pas ce numéro. Oui, allô? Ah, oui. C'est Edu Brazil. Oui, c'est moi. Hein? Vous voulez acheter quoi? Je vous écoute pas bien. Parlez à haute voix. Pardon? Idioma? Attends. J'entends pas très bien, s'il vous plaît. À haute voix. Qu'est-ce que c'est? Jinekeme. Ils l'ont violé? Hey! Quel endroit? Hey! Dis-moi, tu me verras tout de suite. Oui, tout de suite. Où est maintenant? Jinedo, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ok, pas de problème. Hein? Pas de problème, j'arrive à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Hey! Il y a des problèmes. Des gros problèmes. Des problèmes? Quels problèmes? La situation est grave. C'est idioma. Samuel! N'est jamais là quand on a besoin de lui. Où est-ce qu'il est passé? Prends soin de la boutique. J'arrive. Allons-y. Hey! Le viol! Je ne comprends pas. Essayez-vous de me dire que quatre forts, matures, costauds hommes ont arrêté Idioma et l'ont tous violé? Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, Idioma a eu de la chance. Oui, de s'enfuir. Ils ne l'ont pas violé. C'est plutôt l'autre qu'il est encore son nom. Oluchi. Oluchi. Celle-là n'a pas eu de la chance. Pas du tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont réussi à lui écarter les jambes et ils l'ont violé. Hey! Vraiment, sauvagement. Ils l'ont violé. Mais Idioma a été assez intelligente pour fuir. Mais avant qu'elle réussisse à appeler la police, ils avaient déjà réussi à violer celle-là et elle n'arrivait plus à marcher. Hé, hey, Idioma, désolé. Oh, j'espère seulement qu'ils n'ont pas touché l'argent et la marchandise. Ah, Tantine, comment osez-vous dire une chose pareille? Est-ce que c'est le plus important maintenant? Joseph, ça va. Madame, je comprends. Il n'y a pas de problème. Je vous donnerai de l'argent pour couvrir vos pertes pour le pain. Mais je suis vraiment déçu parce que la vie d'Idioma est plus importante que ce pain. Hein? Je ne vous comprends pas. Pas de souci, je vous donnerai de l'argent pour couvrir vos pertes. Mais je ne veux plus qu'Idioma continue de vendre le pain dans la rue. S'il vous plaît, à compter d'aujourd'hui. Hé, hey, merci, hein. Ne sois pas embêté par ce que j'ai dit plus tôt. Ce n'est pas que je ne suis pas sensible à ce qui est arrivé. Tout le monde sait que je suis très douce. Jeannette, hein? Dis-leur à quel point je suis douce. Je suis une personne très douce, vraiment très sensible. Je ne suis pas comme ça. C'est juste que cet argent du pain, c'est ce que j'utilise pour bien prendre soin d'elle, la nourrir et prendre soin d'elle dans cette maison. Je suis aussi un homme d'affaires. Edu Brazil, c'est moi. Je comprends tout ce que vous avez dit. Mais dans ce cas, je vous donnerai un peu d'argent pour louer une boutique. Hein? Parce que je voudrais que vous preniez bien soin d'Idioma. Hé hé hé! C'est quoi? Laisse-moi tranquille. Tu es sérieux? Moi, je ne bavarde pas pour rien. Je suis pas du genre à bavarder et ne rien faire après. Je pense tout ce que j'ai dit ici. En fait, je voudrais qu'elle retourne à l'école pour devenir diplômée d'université. Hey, hey, hey. Monsieur Tinedou. Oui, madame. Pourquoi faites-vous tout ça pour nous? C'est parce que je l'aime. Écoute, je veux l'épouser. Hey, tu veux l'épouser? Ouais. Hey. Oh, mon ami, je n'aime pas qu'on perde trop de temps à débattre sur un sujet. En fait, je suis même déjà à votre mariage. C'est mon corps qui est ici, mais mon esprit est déjà là-bas. Bam. Ne parlons pas encore du mariage. Je veux qu'elle soit diplômée d'université. Vous savez, moi, j'ai pas fait des études. Je sais rien écrire. Je veux quelqu'un qui va se voir prendre soin de mes affaires. Hello, Chalaya. Hein?
Boloya. Votre esprit est déjà au mariage. Boloya là-bas. C'est fort. Bam, bam, bam. Oh. Elle va aller étudier et revenir. Quand elle sera diplômée, je viendrai la chercher. Ah. Parce qu'elle va prendre à faire des factures pro forma pour moi. Hey, Ngozi, tu l'as fait. Dieu est vraiment grand. Dieu est vraiment grand. Viens, viens, viens. Que fais-tu encore assise? Lève-toi vite. Ton mari t'appelle et tu es toujours assise. Lève-toi et viens te placer près de ton mari. Passe si vite, tu viens rejoindre ton mari. Ça va. Tu es encore assise. Ça va. Tu fais comme si tu ne comprenais pas. Va t'asseoir sur ses jambes. Magnifique. Viens, assieds-toi sur ses genoux. Assieds-toi. Assieds-toi bien. Ça va. Assieds-toi bien, qu'il te touche. Hey. Est-ce que ça va? Ngozi, tu as réussi. T'es sûr que tout va bien? Ça... Attends. Est-ce toi que je vois ou alors j'ai une vision? Dis-moi que je ne rêve pas. Mon frère, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Comment je suis arrivé ici? Hein? Que fais-tu ici? Comment t'es arrivé ici? J'ai pris le bus de nuit du village afin d'arriver tôt et de te voir avant que tu ne sortes. Tinello, je ne suis pas convaincu. Dis-moi la vérité. Y a-t-il un problème au village? Ok. Comment va papa? Est-ce qu'il va bien? Papa va très très bien. Et puis tout le monde va bien, mon frère. Vraiment? Entre. Je suis contente de te voir. Tinello, tu m'as fait peur. Oh, mon Dieu. Aïe. Oh, je suis si fatiguée. Tinello. Mon frère. Sois la bienvenue. Merci. Bon retour en ville. Oh, ça fait plaisir d'être de retour. Tinello. Grand frère. Es-tu sûr que tout le monde au village va bien? Je veux dire, papa, Tinegne et Tizoba, ils allaient bien. Grand frère, tout le monde va bien. Ils te transmettent leurs salutations. S'ils vont bien, pourquoi t'es venu de façon soudaine, sans m'appeler sur mon téléphone, hein? T'aurais dû le faire avant de prendre le bus pour la ville. Si quelque chose t'arrivait sur la route, qu'aurais-tu fait, hein? Grand frère, c'est à cause de la discussion que nous avons eue la dernière fois. Je t'ai dit que je voulais poursuivre mes études. Comme tu n'as rien dit depuis, j'ai décidé de venir pour avoir une discussion avec toi. Ne t'ai-je pas dit que j'allais y réfléchir? Tinello. Mon frère. Ne t'ai-je pas dit que j'allais y réfléchir? Hein? T'aurais dû attendre que je t'appelle avant de venir. Mais c'est ce que tu dis tout le temps. Pendant tout ce temps, j'ai attendu. Je ne peux plus attendre. Je dois m'inscrire à l'université d'ici l'année prochaine. Tu ne peux plus attendre. Ok. C'est la banque ici. Hein? C'est ici la banque. Pas de problème. T'es déjà à la banque centrale où il n'y a pas d'argent. Viens, puise l'argent et pars. Dieu merci, cette maison est grande. Elle peut contenir beaucoup de personnes. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Tu peux rester de maintenant jusqu'aux 2 prochaines années. Tu peux rester. Comment je dois me battre pour gagner l'argent? Qui suis-je, Bill Gates? Ok, prends ton sac et va dans la chambre. Moi, je dois retourner à l'école parce que je ne peux pas rester à la maison toute l'année prochaine. T'es né sous une bonne étoile. Tu vas savoir ce que c'est que de vivre en ville. Tu crois que je suis ton petit frère? Généraux, je suis ton grand frère et tu me dois du respect. Est-ce que tu sais que... Et toi? Ije? Ah... Ije... Ah... Ije, je suis désolé. J'ai appris que tu as été brutalement écrasé par les gangsters et qu'ils t'auraient d'abord fait tout genre de trucs et même tabassé de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche. Oh. Qui t'a dit ça? Ah. Que veux-tu dire par brutalement écrasé? On raconte tout ça partout. J'ai appris que tu n'arrivais plus à marcher
Et que, en fait, quand tu marchais, ça faisait ceci. On dirait que... Ah, la fille de quelqu'un. Oh, ne fais pas ça. On ne... Ne pleure pas. Ne pleure pas. Désolé. Désolé, ok. Et cet endroit va bien. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. C'est mon ami, Oluchi. Personne ne m'a touché. Je me suis enfui. J'ai appelé la police. Tu en es sûr? Mais tes yeux sont pleins de larmes maintenant. Eh bien, tu sais que je t'aime. Donc j'étais inquiet. Même si tu sais, parfois tu te comportes comme un enfant. Comme un enfant, comme un enfant. Mais j'espère que là-bas est resté intact. Eh oui, parce que tu sais, des fois quand quelqu'un se fait violer, cet endroit devient comme un puits. Comme... tu vois? Donc ne t'en fais pas, ok? Je suis vraiment désolé, hein? Vraiment navré. Mais j'imagine que tu as besoin de médicaments. Je suis désolé. Calme-toi, calme-toi. Tu sais, parfois tu peux prendre les anti-inflammatoires. Mapoka. Désolé, hein? Hey. Bonjour, monsieur. Ouais, vous êtes bonjour. Bienvenue. Bonjour. Que voulez-vous acheter? Hein? Qui es-tu et où est le propriétaire de la boutique? D'accord. Le propriétaire de la boutique n'est pas là et je suis sa petite sœur. Tu es sérieuse là? Oui. La petite sœur de Shinedu? Oui. Ah! Mais Shinedu ne m'a jamais dit qu'il avait une sœur aussi belle. Hein? Merci, monsieur. Belle fille. Merci. Alors, quel est ton nom? Mon nom, c'est Chinelo. Chinelo? Oui, monsieur. Un joli prénom pour une jolie fille. Merci, hein? Monsieur. Merci. Eh bien, je m'appelle Joseph. Je suis le meilleur ami de Shinedu et son partenaire d'affaires. D'accord. C'est bon à savoir. D'accord. Alors, quand es-tu arrivé? Bon, je suis là depuis presque une semaine maintenant. Une semaine? Oui. Je restais toujours à la maison, mais ça devenait déjà un peu ennuyeux et solitaire. Alors, mon frère m'a suggéré de venir rester avec lui. Très belle suggestion. Hein? Mais cela veut dire que je vais souvent te voir ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, pour le moment, jusqu'à mon admission en fac. C'est parfait. Merci, ok, donne-moi ton numéro, hein? Mon numéro. Pour que je puisse toujours t'appeler pour prendre tes nouvelles. D'accord, pas de problème, monsieur. Vraiment? Oui. Ok, donne-le-moi. Donne, je vais le saisir. Vas-y. Tantine, je vais pour mon tutoriel. D'accord, ma chère. Étudie très bien. Hein? Tu sais que tes examens, c'est dans quelques jours. Et tu dois passer. Tu sais ce que Chinedu a dit. Je sais, je sais. Je fais de mon mieux. D'accord. Dis à Chinedu que j'ai essayé de l'appeler, mais mon téléphone a un problème. J'ai trouvé un endroit parfait pour cette boutique qu'il a dit qu'il allait ouvrir pour moi. Mais j'ai essayé en vain de le joindre pour lui dire. C'est parfait, c'est parfait. Pas de problème. D'accord. Quand je le verrai ce soir, je l'informerai. Quand tu y seras, dis-lui également que mon téléphone est vieux et je dois le changer. Hein? Je dois le changer. Il est vraiment très vieux. Pas de problème. Je lui dirai. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui vas le changer? Pourquoi est-ce que tu froisses ton visage de la sorte? Arrête-moi ça. Ne t'inquiète pas parce qu'on lui demande de l'argent. On n'en demande même pas beaucoup. Hein? C'est lui qui veut épouser une belle fille. Alors, il va payer pour ça. Ce n'est pas moins cher d'épouser une belle fille. Tantine, mais tu sais qu'il fait beaucoup d'efforts. Il a vraiment dépensé beaucoup pour nous récemment. Et combien a-t-il dépensé? Un milliard? S'il te plaît. Quelques centaines de mille par-ci, par-là. C'est quoi ça? C'est de l'argent? Ses égos sont occupés à acheter des voitures et construire des maisons pour leur belle famille.
Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ne sois pas désolé pour lui, oh. Écoute, c'est le travail des hommes de travailler dur. Et le travail des femmes est de dépenser l'argent qu'ils ont travaillé. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. On n'y peut rien. Ce n'est pas de notre faute. Ok, tontine. Mm-hmm. J'ai compris ce que tu as dit. D'accord. Vas-y. Hein? Jolie fille. Mm. Ah, comment on regarde ça? Attends. Ma chérie. Ah, ma beauté. C'était un excellent résultat. En fait, je suis très très fier de toi. S'il te plaît, où sont les résultats? C'est ça. C'est là. C'est ça là. C'est là. Ah, là. Ceci, ces résultats sont merveilleux. Je suis très très fier de toi. Bien joué. Je suis si heureuse. Maintenant que je suis sûre que j'obtiendrai mon admission dans l'université de mon choix. Écoute, je t'en fais la promesse. Tu dois aller dans le meilleur université de cette pays. Je te le dis. Je te dis que quel que soit le niveau que tu veux atteindre. En fait, si tu veux étudier jusqu'au... Comment ça s'appelle? PhD. Je vais payer. Ce résultat est merveilleux. Tu veux dire BHD? Oh, c'est ce que je voulais dire. PhD. Je t'enverrai là-bas. Merci. Merci beaucoup, Nidou. Oh, ma chérie. Merci de continuer de me soutenir. Merci de ne pas m'avoir abandonné depuis. Wouhou! Hey! Ce baiser est très, très sucré. C'est un vrai bisou. Et je ne veux rien jeter. Aïe, pépé. Regarde comment mon corps fait tiki 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 comme une locomotive. S'il te plaît, laisse-moi te supplier pour une chose. Est-ce que tu peux encore le faire, s'il te plaît? Cette fille est à l'intérieur avec mon frère Tinidou depuis un moment déjà. Est-ce qu'elle veut maintenant passer la nuit ici ou quoi? Peut-être qu'elle prend de l'argent chez lui comme d'habitude. Je déteste cette fille. Mais mon frère, lui, il est fou amoureux d'elle. Je pense qu'elle a eu à le charmer. Maman, qu'elle est très... Je dois partir. Il se fait tard. Et tu connais ton Ngozi, elle va bientôt se fâcher. Hey, chérie, s'il te plaît. Aïe, tu sais pas ce que mon corps me fait maintenant. Hey, attends, s'il te plaît. Faisons-le pour la première fois. Tu vas aimer. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Ça fait bizarre. Tinidou. Ne me laisse pas comme ça. Tinidou, as-tu oublié qu'on s'est promis de le faire le jour de notre nuit de noces? Et tu sais que je suis encore vierge. Hey. Attends, oh. quand nous serons mariés. Oh. Ah, ma chérie, ça, c'est la punition. C'est la punition. S'il te plaît. Oui. Hey. Faisons-le. Personne ne saura qu'on l'a fait. La façon dont mon corps me dérange. On dirait que mon corps va s'exploser en mille morceaux. Est-ce que je vais mourir? Écoute, tu dois supporter. Ne sais-tu pas que si je commence maintenant, quand j'irai à l'université et que j'aurai envie de le faire, sachant que tu n'es pas là, je pourrai chercher quelqu'un d'autre. C'est et je douloureux. Sais qu'il ne veut pas. C'est douloureux. Mais est-ce que tu me promets que tu ne vas pas le faire avec quelqu'un d'autre à l'université? Parce que je sais que cette chose est très bonne. Hein? Je ne vais pas que te le promettre. Je vais te le jurer. Que personne d'autre que toi n'aura accès à mon cœur. Ma chérie, pour de vrai. Je le jure. Pour de vrai. Je le jure. Pour de vrai. Oh. Moi aussi. Je rigolais. Dans ce cas, embrassons. Une simple embrassade. Mon corps ne me fait plus comme s'il voulait s'exposer en mille morceaux. Oh, désolé, ok. Juste un bisou. Juste un bisou. Fais-moi juste un bisou. Et puis c'est fini.
Grand frère Joseph. Pourquoi ne conseilles-tu pas mon frère en tant que son meilleur ami? Il dépense énormément d'argent sur cette fille Dioma et sa tante. On dirait qu'il a été charmé. Tu as raison, ma chère. Je pense qu'elles utilisent une télécommande sur lui. Honnêtement, tu t'en rends compte? N'importe quel montant d'argent qu'elles demandent, il va juste leur envoyer ça rapidement, fiap! Sans même réfléchir à deux fois. Regarde la boutique. Regarde la boutique. Ce n'est pas comme ça que cette boutique était avant. Tout cela à cause d'Idioma. Parce que chaque centime que mon frère gagne, il le donne à Idioma et sa tante. Ah, Chinito. Ma chère, ton frère a besoin d'une vraie délivrance. Et tu es l'unique personne qui puisse l'aider. Si rien n'est fait aussi rapidement, hein? Chinedou sera complètement ruiné à cause de tout ça. Je suis certain à propos de ça. Je te le dis. Grand frère Joseph, que voudrais bien tu que je fasse? Je ferai n'importe quoi. Afin de m'assurer que mon frère se libère des griffes de cette fille et sa tante. Elles peuvent le tuer. Viens que je te dise. Hé! Hey! Je vous ai attrapé! Les mains dans les poches! Non, non, tu veux nier? Ah, ah, Chinedo! Chinedo fait quoi? Maintenant tu bégayes! Hé! Hey! Nous ne faisons rien, j'essayais juste de... Je n'ai encore rien dit, puis tu te justifies déjà! Permets-moi de dire quelque chose maintenant, Joseph! Que fais-tu avec ma sœur? Ah, Chinedo! Écoute, nous ne faisons rien, j'essayais juste de lui dire quelque chose, en parler simplement! Tu me prends pour un imbécile. Toi, Chinello, dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il te faisait? Nous ne faisions rien. Chinello, il ne te faisait rien? Donc, tu attends qu'il se couche sur toi pour que tu saches qu'il est en train de te faire quelque chose? Mais Chinello, qu'est-ce que tu racontes? Tout de suite. Il ne t'a rien fait. Amaya. Chinello, pourquoi est-ce que tu oses le temps? Je t'ai dit qu'on ne faisait rien, non? Tu t'amuses. Tu t'amuses avec moi. Méfie-toi. Méfie-toi. Écoute, depuis que ma sœur a commencé à travailler dans cette boutique, tu ne fais rien d'autre. Tu viens ici tout le temps. Tu montes, tu descends. Hey, méfie-toi. Ah, Chinedo. Joseph, fais très attention. Ne tourne pas autour de ma sœur. Chinedo, tu m'aimes sérieux? Écoute, c'est une fausse hypothèse. Je n'aime pas ça. Je suis juste venu ici pour lui enseigner deux choses. Tu sais qu'elle vient d'arriver dans ce business. Elle a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est ça. Professeur. Professeur. Réponds, professeur. Tu veux utiliser ton gros français pour m'embrouiller comme ça? Je ne saurais pas de quoi tu parles. Mais hypothèse, hypothèque, mais quelle hypothèse? Hypocrisie, hypothétique. Écoute, je te mets en garde. Reste loin de ma sœur, je veux pas entendre qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux. Attends, tu es mon ami. Est-ce que tu penses au sérieux? Tais-toi. Mais on n'a rien fait. La ferme. Tu parles comme si tu avais vu quelque chose. Tienelo. Merde. Tienelo. Qu'est-ce qui le prend? Bon après-midi, frère. Que Dieu vous bénisse. Hey, qu'il te bénisse aussi. Je suis là pour voir Idioma. Qui? Idioma? Idioma, ah, oui. Ma sœur, laisse-moi te dire. Si tu es là pour prêcher à Idioma, oublie ça. Tu perds ton temps. Parce qu'Idioma est maintenant chiante. Tout ce qu'elle vénère maintenant, c'est l'argent. Je t'assure. En fait, Idioma est mon ami. Ah. Oui. Oh, le tché. Hey, hey. Hey, quelle bonne surprise! Ah oui, c'est une agréable surprise. Ça fait du bien de te revoir. Ouais, tu m'as vraiment manqué. Ah, tu es si belle. Ah, je rends grâce à Dieu pour ses bénédictions. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu habillée comme une fille de l'église? Ah, Idioma. Souviens-toi de ce qui est arrivé la dernière fois. J'ai décidé de changer de vie. Et j'ai donné ma vie au Christ. Maintenant, je suis née de nouveau. À Dieu soit la gloire. Gloire
gloire à Dieu. Ah oui, alléluia. Amen. 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 Amen encore Amen. Une fois. Attends. Oh, Luchi, toi, né de nouveau? Oui. Oh, ça doit sûrement être un miracle. Oui, ça l'est. Allons-y à l'intérieur. Mais quelle naïveté! Mais quelle naïveté, hein! Franchement, mamma mia! Chinello, Chinello. Bien joué. Je vois que tu es très occupé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je voulais regarder ce qui est dans la marmite. Pourquoi entres-tu ici et te comportes-tu comme bon te semble? Chinello, c'est à moi que tu parles comme ça? Vois-tu une autre personne ici? Si tu as besoin de quelque chose, alors demande simplement. À ce que je vois, tu ne réalises pas encore que je suis la fiancée de ton frère. Fian quoi? Comment as-tu appelé? Écoute, au cas où tu ne le saurais pas, idioma, peut-être que tu ne l'as pas encore remarqué. Je ne permettrai pas que mon frère épouse une croqueuse de diamant comme toi. Jamais. Tu éteins la télé. Et pourquoi es-tu venu ici changer la chaîne que je visionnais? Chinello. Chinello, tu me cherches des ennuis dans cette maison. Rallume-moi cette télé tout de suite. Sinon, que vas-tu faire? Que comptes-tu faire? Idioma, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, ce n'est ni ta maison, ni ta télé. Alors, tu n'as aucun droit de donner des ordres ici. Je ne te dirai rien jusqu'à ce que ton grand frère rentre. Parce que c'est évident que tu me cherches la bagarre. N'est-ce pas? Je peux le voir. Ne t'inquiète pas, je vais te faire la bagarre, mais pas maintenant. Et pourquoi pas maintenant? Viens! Idioma, viens qu'on se bagarre. Viens qu'on bagarre femme contre femme. Gardez-moi cette fille inutile qui ne peut chercher quoi faire de sa vie. Elle veut venir s'asseoir chez un homme pour contrôler tout le monde. Espèce d'idiote, mougou. Laisse-moi te dire, idioma, tu crois que nous ne savons pas que tu as charmé notre frère? Nous le savons, tout le monde le sait. Mais ne t'en fais pas, ce charme que tu utilises, hein, il va bientôt se terminer. Et quand il va se terminer, mon frère verra clair. Et à ce moment, idioma, quand j'en aurai fini avec toi, ce n'est pas quelqu'un qui te dira de plier tes bagages, de foutre le camp de cette maison. Ne t'en fais pas. Idiote. Viens t'asseoir, non, madame? Est-ce que tu veux regarder la télé? Tu penses avoir le droit de changer la chaîne que je regardais parce que tu t'appelles Idioma? Je te maudis. Foutaise. Ah! Ma chérie. Désolée de t'avoir fait attendre. Ça va, désolée, vraiment désolée. Comment tu vas? Je vais bien. Tu passes du bon temps. Navré de rentrer aussi tard. Tu sais, la réunion était très intéressante et ça a pris plus de temps que prévu, mais ça va. Bienvenue à la maison. Comment était la réunion? Tout s'est vraiment bien passé. Tu sais, je devais tout arrêter et je suis là. Pas de problème. J'espère que ma sœur Chinello ne t'a pas cherché des problèmes aujourd'hui. Non, pas du tout. Vraiment? Oui, bien sûr, nous nous entendons très bien. Vraiment? Oui, j'étais juste fatiguée, alors j'ai décidé de venir dans la chambre me reposer. Ah, je comprends pourquoi elle m'a dit. Elle m'a dit que la nourriture est prête. Alors, allons manger. Non, ne t'inquiète pas, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Oui, et pourquoi t'inquiète ça? Pas. J'attendais que tu sois de retour pour que je rentre à la maison. Tu sais bien que j'irai au campus demain. Je dois aller faire mes bagages. J'avais oublié qu'elle était ailleurs.
Dans ce cas, je vais te donner 100 000 naira cash. Tu te souviens de l'argent que tu m'as demandé? Je vais te le donner. Merci, merci, Chine. Tu es le meilleur. Répète-la encore. Tu es le meilleur. Pas de problème, tu peux venir manger maintenant. Va manger, bébé, je te rejoins plus tard. T'es sûr que tu viendras vraiment? Je te rejoindrai, t'inquiète. Pas de problème, si tu manges pas, eh bien moi non plus. Si tu manges, je mange. T'en fais pas, va manger, je viendrai te rejoindre ça, plus tard. L'amour. Le vrai amour. Oga Marcus. De toute façon, tu es content aujourd'hui. On dirait que tu as gagné au loto ou à la loterie américaine. Ma soeur, ce que je célèbre vaut plus que le jackpot. Je suis enfin libérée. Oh, mamma mia. Libérée comment? Libérée de quoi? Libérée des ennuis d'idioma. Hein? Mamma mia. Ben oui, je sais que tu es son acolyte, quoi. Ah, je t'en prie. Mais de quoi est-ce que tu parles? En quoi est-ce que l'idioma et moi fait-on ta liberté? Ma soeur, respire. Maintenant qu'Idioma est hors de cette concession, qu'elle est partie, tu sais, rester dans le campus. Eh bien, tout fonctionne normalement. Normalement pour moi. Hein? De toutes les façons, il y a deux choses qui se présentent. Soit tu es saoul, ou alors tu veux simplement être drôle cet après-midi. Mais ça ne marchera pas. En fait, ça n'a aucun sens. Je sais que tu ne comprends pas ma célébration, que tu ne comprends pas ma joie. Mais attends. Attends de voir la gloire de mon Dieu, le Tout-Puissant, Elohim, Eloha. Attends seulement, toute chose a repris son bon sens. En tout cas, ça, c'est ton problème. Toute chose a repris sa place dans ma vie. Tout va bien pour moi. Des larmes de joie, ce sont des larmes de joie. Tout va bien pour moi, tout va bien. Tu ne sais rien, mais attends. Ce jour, je le dédie à la célébration. J'ajoute un peu de sucre salé. Sucre salé. Akinapopo, akinapopo, akinapo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 p
Pourquoi parles-tu de la sorte? Ok, laisse-moi te parler clairement. Idioma dont tu viens de prononcer le nom est ma future épouse. Elle est mon investissement actuel si tu ne savais pas. Laisse-moi me concentrer, faut pas que les gens bouffent mon argent. Ils l'ont assez fait. Sans problème, mon frère. J'ai clairement reçu ton message. Je sais quoi faire. Ne t'en fais pas. Je vais trouver une solution. Kinello. Kinello. Cette fois, oui, tu parles de trouver une solution et de savoir ce que tu veux. J'espère que tu n'iras pas rejoindre les gens de Yao Yao, hein. Kinello, si on t'attrape, je ne serai pas là. Hein? Tu ne fais que parler d'informatique depuis que t'es dans cette maison. Informatique ci, informatique ça. Les gens que je connais et qui font informatique sont ceux qui viennent souvent mettre la musique dans mon téléphone pour que je l'écoute dans ma boutique. C'est quoi cette histoire d'informatique? Ma sœur, fais attention. Maintenant, je suis déconcentré. Ouais. Tantine Gozi? Qui est-ce? Oh! Janet, c'est toi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ah, non, tantine, il n'y a pas de problème. En fait, Dioma, elle essaye de te joindre depuis, mais ton numéro ne passe pas. Ma batterie est à plat. Hein? Ces gens vont tuer quelqu'un. Ah, Dioma, tantine est là. IJ bébé. Mon rayon de soleil. Comment tu vas? Ces gens qui donnent l'électricité, ils l'ont coupé depuis 2 jours. C'est pour ça que mon téléphone est éteint. Comment tu vas? Je te fais confiance. J'espère que tu passes du bon temps. Hein, tu reviens à la maison ce week-end. Waouh! Pas de problème. Hey, il faut venir. Je vais cuisiner un plat très spécial juste pour toi. Prends bien soin de toi. Oh, il faut prendre soin de toi. Hmm? Du vin. D'accord. Bye. Wow, Idioma va venir à la maison. Elle va venir. Je suis impatiente de la voir. Elle me manque. À moi également. Elle me manque beaucoup. Ça n'a pas du tout été facile de rester ici sans elle. Elle me manque tellement. Je peux l'imaginer. Ah, je veux qu'elle rentre et qu'elle me raconte. Qu'elle me raconte si elle a mené la vie universitaire comme je le lui ai appris. J'ignore Dioma. Seulement à entendre sa voix, je suis sûre qu'elle s'amuse. Pourquoi ne s'amuserait-elle pas? Est-ce que tu sais combien d'argent son fiancé lui envoie chaque semaine? Elle doit passer du bon temps. Et je suis tellement fière d'elle. Bye. À plus tard. IJ, IJ. Tu es fière d'elle maintenant à cause des gros bénéfices que tu gagnes grâce à elle. Méchante femme. Tu ne te souviens plus de la période où tu l'as maltraitée comme une esclave. Où est cette fille? Kinello? Kinello! J'ai pas dit à cette fille que je vais vite partir et rentrer tard de la boutique. Hein? Kinello! Frère? Je t'appelle et tu ne réponds pas. Grand frère? Qui l'a aimé? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ne t'ai-je pas dit de te dépêcher? Que nous sommes en retard pour la boutique? Ne l'ai-je pas fait? Pourtant, t'es toujours en pyjama. Grand frère, je ne pense pas que j'irai à la boutique avec toi aujourd'hui. Et pourquoi? Je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai le palu. Ma tête me fait très, très mal. Hi. Tu chauffes tellement. Qu'est-ce que t'as? Tu as pris des comprimés? Non. Attends. Hey, mon Dieu, ton corps brûle. Ah, prends tout cet argent, prends-le. Va à la pharmacie. Juste au coin, tu verras une grande pharmacie. Hein? Vas-y, achète des médicaments. S'il te plaît, ne va pas chez Mika. Achète rien chez lui. Ce gars vend des faux médicaments. Je ne sais pas ce qu'il a comme problème. Est-ce que j'ai été clair? D'accord.
Tu peux rester à la maison. Prends soin de la maison. D'accord. Je vais partir. Souhaite-moi bonne chance. Passe une très bonne journée. Mm-hmm. Faut manger, faut prendre des forces. D'accord. Hey, tant de gosser. Tante Gozi. Hey, Idioma. Idioma est de retour, la fille de la cité. Ah, tu m'as vraiment manqué. Comment tu vas? Je vais bien. Waouh, regarde-toi. Je ne devrais même pas me déranger à te demander comment tu vas, car on peut voir le bonheur sur ton corps. Ouais, c'est ça. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Hey, Jéhovah. Jéhovah, hey, regardez, ma princesse est de retour. Hey, merci Jéhovah, merci Seigneur. Hey, Rosie, tu m'as vraiment manqué. Oh. Je suis très contente que tu sois en bonne santé. Hey, regarde-toi, regarde comment tu es belle, grande et sexy. Personne ne pourrait même te reconnaître. Hey, la vie est si gentille. Tantine, tu peux le redire encore. Aïe, salut. Pourquoi autant de bruit, hein? Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Marcus, ne vois-tu pas qu'Idioma est de retour? Mon étudiante est de retour. Sous-moi, est-ce qu'on t'entend? Ma sexy jolie fille internationale, je t'en prie. Mamia, Idioma? Oui, bien sûr. C'est bel et bien moi. Et bien je suis de retour et je pète la forme. Bienvenue. Bienvenue. Je peux voir comment tu es différente de la tête aux pieds. Oui. L'université t'a vraiment transformée, je t'assure. Tu ressembles exactement à l'une de ces bonnes à rien qui traînent sur le campus. Peux-tu la Mais... Ne peux-tu donc rien dire de bon? Ah, viens. Marcus, c'est quoi ton problème? Cette sale bouche que tu brosses très rarement est raison pour laquelle elle produit toujours autant de salive. Un jour, tu vas l'utiliser comme ça et tu feras tomber une vraie bombe sur ta tête. Tu te rends compte? Ah non, pas. Mais j'étais juste en train de... Hé, hey, ferme-la. Espèce de baissée. Idioma. Regardez comme elle a peint sa face comme un masque. N'importe quoi. Je suis étudiante, je suis étudiante, je suis étudiante. Tu ressembles à Tasha, hein? Tu ressembles à Tasha? Oh non, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de congé, mais elle est rentrée à la maison. Mamma mia. Baby girl, I wanna talk to you. You already know what I feel about you. You already know. Baby girl, I wanna talk to you. You already know how I feel about you. Yeah. Oh no. Chinelo, Chinelo, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu avais l'air si effrayé au téléphone. Que s'est-il passé? J'ai des ennuis. Des ennuis? Je viens de rentrer de l'hôpital. L'hôpital? Chinelo! Oui, monsieur. Tu es enceinte de 2 mois. Ne crie pas. C'est ce que disent les résultats. Comment? Comment est-ce possible? Pourquoi? Je pensais t'avoir donné de l'argent pour acheter des contraceptifs. Attends, tu ne les prenais pas? Je les prenais. Apparemment, c'était des faux. Faux? Où les as-tu achetés? Je les achète toujours chez le vendeur qui est près de la maison. Hey! Qu'est-ce que ceci veut dire? Hein? Nous sommes dans la merde. Chine, tout va finir par tuer quelqu'un cette fois. Mais pourquoi? Je ne savais pas qu'il vendait de faux médicaments. Je ne savais pas. S'il te plaît. Ne t'en fais pas, ok? Je vais trouver une solution. Mm-hmm. Mais je t'en prie. Ne le laisse pas te suspecter. Reste calme, ok? Chinelo. Chinelo. Bonjour, monsieur, et que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse aussi. Dieu te bénisse. Ah, mais je me souviens de ce visage.
tu ne serais pas l'ami du Dioma, la fille qui a été violée, c'est ça? Et qui plus tard est devenue. Ah, je t'ai cherché, je voulais te demander si ça t'a fait mal ou c'était bon. Parce que je me pose cette question. Hein? Eh bien, si c'est la meilleure manière de me décrire, pas de problème, ça va. Oui, c'est bien. Ah. Mais par la grâce de Dieu, je suis maintenant une nouvelle créature. Rachetée, purifiée par le sang de Jésus. Amen, amen. Tu sais, je crains Dieu énormément. Quand Dieu touche quelqu'un, j'aime vraiment ça. Écoute, désolé, ok? Désolé d'avoir ri de toi. Non, non, c'est bon, je ça suis va. Désolé. Pas de problème, moi c'est Oluchi. Oh, vraiment. Je suis Osoko Marcus, alias Sucré Salé. C'est moi. Ravi de vous connaître, monsieur Marcus. N'oublie pas de mettre Sucré Salé, tu sais. Waouh, mamma mia. Ma chère, je ne sais pas si je pouvais avoir ton numéro. Comme ça, je pourrais t'appeler pour que nous puissions... Bien sûr, ensemble. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Ouais, j'aime vraiment jeûner, hein. Tu sais, je... Mon numéro est sur cette brochure. Oh. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Ainsi, je viendrai prier avec vous. À tout moment? Ça, c'est bien. À tout moment, je vais t'appeler. Hein. Je t'appellerai comme ça, on pourra gêner ensemble. En passant, je suis venue voir Idioma. J'ai appris qu'elle est revenue du campus. Idioma? Elle n'est pas rentrée. Mais sa tante est là. Ok, hein, c'est noté. Merci. Tu peux regarder. D'accord, d'accord. Merci. Monsieur Marcus, oui? J'attends avec impatience votre coup de fil. Mamma mia, écoute, avant que tu n'arrives, je t'aurai bipé. Immédiatement. D'accord. Très bien. Que okay. Dieu vous bénisse. Ne t'en fais pas. Hey! Coucou! Oui? Je t'appellerai, hein? Ok. D'accord? D'accord, monsieur. Mamma mia! Waouh! Voyons. Mais cette fille, après avoir été violée, elle est maintenant née de nouveau. Eh bien, la vie, c'est un processus. Donc maintenant, je vais me détendre et attendre que quelqu'un me viole. Et après, vous savez, je vais naître de nouveau. Il y a des gens que je ne comprends pas. Quand on les viole, ils vont raconter. Moi, eh bien, si quelqu'un me viole, moi, je ne dirai rien à personne. Je ne dirai rien, rien, rien à personne. Je t'appellerai, d'accord? Oh, waouh. Oh, Idioma est allé voir son fiancé chez lui. Appelle-la, peut-être elle te dira de la rejoindre là-bas. Ok, tante. Mais malheureusement, je n'ai pas son numéro actuel. Oh, oh. Attends, je te donne son numéro. Oh, merci, tante. Ah, Nedou, comment tu vas? Tout va bien? Pourquoi tu viens dans ma boutique quand je t'ai pas invité? Hein? Ok, qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Ah, tiens, Nedou, pourquoi es-tu toujours en train de me prendre de haut? C'est-à-dire? Ne sommes plus nous des amis? Si tu considères que nous sommes des amis, pourquoi est-ce que tu détestes la seule fille que je t'ai dit que je vais l'épouser? Nedou, je ne déteste pas Idioma. Hein? Je n'aime pas juste la façon dont tu gaspilles l'argent sur elle uniquement. Négligeant ta propre sœur, Chinedu. Ce n'est pas juste, hein? Non, vérifie-le, ce n'est pas bien. Ok. Je suis désolé si j'étais offensé. S'il te plaît, pardonne-moi. Joseph. Je ne veux pas qu'une femme nous sépare. Nous sommes des amis depuis trop longtemps. Joseph. Hein? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je te l'ai dit encore et encore, Kidioma. Kidioma est mon investissement. Alors que Chinelo, c'est ma propre sœur. Est-ce que je ne te l'ai pas dit? Je le sais, non, je le sais. Pourquoi veux-tu que j'investisse sur Chinelo? Alors que tu sais que demain, un autre homme viendra l'épouser. C'est pour cela que je dois investir sur Idioma. Que je compte très bientôt épouser. Est-ce que ce n'est pas clair? Ce n'est pas clair pour toi? Hé, hey. Ah. On aura tout vu. Vraiment? Vraiment tout vu. C'est ce que tu dis? Hein? Bien sûr. De quoi parlons-nous ici? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que Chinelo n'est pas en âge de se marier? N'a-t-elle pas le même âge que Idioma dont on parle? Hein? Qu'elle aille chercher un homme qui va l'épouser.
quand je vais déposer sur elle, un autre homme viendra la marier. C'est quelle affaire, ça? S'il te plaît, je vais à la banque. Laisse-moi passer. Ce ne serait pas mieux que je prenne le kiki pour aller à la banque au lieu de conduire. Ok, t'en fais pas. Joseph, t'es le seul à savoir que je vais à la banque. Si quelque chose arrive à mon argent, c'est toi que je vais arrêter. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Je suis là pour rencontrer la fiancée du frère Tinedu, Idioma. Nous avons discuté au téléphone et elle m'a donné l'adresse de cette maison. Oh, Loti. Oh. Oh, mon ami. Merci. Bienvenue. Oh. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah, tu m'as manqué, s'il te plaît, prends. Merci, merci, mon ami. Oh, Loti. Ah, mon ami. Ah, tu m'as manqué. Toi aussi. Donc, c'est la maison de frère Tinedu? Oui. Ah bon? C'est ici qu'il habite. Ah, je comprends pourquoi tu rayonnes comme ça. Tu es vraiment très belle. Merci, merci. En passant, qui était cette fille qui est venue m'ouvrir la porte? Celle-là? Pardon? C'est la petite sœur de Tinedu. Mm-hmm. Mais s'il te plaît, ne fais pas attention à elle. Elle peut être très mal élevée et impolie. Mm. Mm. Mais s'il te plaît, comment vas-tu? Je vais bien. Comme tu vois, ça va. Que tu finis pas bien. Chaque fois que je te demande de l'argent pour faire quelque chose, tu trouves toujours le moyen de ne pas me donner cet argent. Pourtant, si c'est Idioma qui te demande de l'argent, tu vas courir dans tous les sens chercher cet argent pour le lui remettre. Pourquoi tu parles de la sorte? Hein? Pourquoi tu parles de la sorte? Ok, laisse-moi te parler clairement. Idioma, dont tu viens de prononcer le nom, est ma future épouse. Elle est mon investissement actuel, si tu ne le savais pas. Laisse-moi me concentrer. Je veux plus qu'on me bouffe de l'argent. Ils l'ont assez fait. Pas de problème, grand frère. J'ai clairement reçu ton message. Je sais quoi faire. Ne t'en fais pas. Je vais trouver une solution. Grand frère, tu es la cause de tout ceci. Tu m'as poussé à faire cela. Et peu importe ce qui pourra m'arriver,
Ce sera de ta faute. Tu es sûr que c'est seulement de l'eau que tu veux boire? Écoute, sois à l'aise, sois libre. Nous avons toutes sortes de boissons dans cette maison. Dis-moi juste ce que tu veux. T'en fais pas, je vais bientôt partir. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt partir. J'ai certaines tâches à faire à l'église. Je suis encore étonnée de ton soudain changement de personnalité. Alors, cette histoire de « né de nouveau » est vraie? Bien sûr, ce n'est pas un jeu. Et puis, je ne suis pas la seule à avoir changé. Idioma, toi aussi, tu as changé. Tu es tout le contraire de celle que je connaissais. Je ne comprends pas. Ne me dis pas que tu ne sais pas de quoi je parle. Tu es devenue plus gentille, en même temps tu es... Comment le dire Écoute, arrondir à 20 millions. Ça doit être Tinedou. Ce n'est pas trop. Ok, je vais prendre 15 millions à une seule condition. Écoute, tu donnes à Divine 5 millions. Est-ce que c'est ok? Oh, débrouille-toi. Oh, écoute, je suis déjà à la maison. On parlera de cela à la boutique. Parce que je suis déjà à la maison. Les affaires restent à la boutique. La maison, c'est la maison. Ok, à plus. Hey, ma chérie. Hey. Bienvenue. T'es là, ma chérie. Bienvenue. Ma chérie. Merci. Frère Chiné, bonsoir, monsieur. Hey, qu'est-ce que je vois là? Oh, les dieux. Olouti. Oui, monsieur. C'est bien toi? Oui, monsieur. Sois la bienvenue. Merci, que Dieu vous bénisse, monsieur. Hey, Baga, dis-moi, où est-ce que t'es depuis? J'ai été sous la grande protection de Dieu. Ah bon? Elle a vraiment changé. Est-ce le nouvel endroit où tu vis? Mais où est cet endroit? Jusqu'à présent, je ne connais pas. Pourquoi tu ris, hein? Tu devrais plutôt me dire où non, elle vit. Non. Écoute, mon cher. J'ai oublié de te dire que Oluchi, ici présente, n'est plus comme avant. Elle est née de nouveau. Je vois. Le feu. Rébo. Fire. Et c'est vous même. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Assieds-toi. Merci. Hey. Ma chérie, j'espère que t'as mangé. Oui, j'ai mangé. Tu dois manger pour être toujours bien portante. Comment était le travail? Très bien. Qu'est-ce que t'en fais à notre invité? C'est quoi ça? Ma chérie, c'est quoi ça? T'aurais pu offrir le vin à Oluchi. Bien sûr que je l'ai fait, mais elle a insisté qu'elle voulait juste de l'eau. Ouais. Bah non, Oluchi, non. Ce n'est pas une priorité. Où est Tinello? Elle doit être dans sa chambre. Oluchi, tu es dans la maison de Tinello. Et tiens, Matagania, non, on a argent petit de se manger tout seul, hein? S'il te plaît, faut appeler Tinello. Demande-lui d'apporter le vin. Quel type de vin tu bois? Nous avons du vin blanc. Nous avons aussi du rouge. Nous avons le whisky. Nous avons toutes sortes de boissons. Il n'y a rien qui puisse manquer dans cette maison. Hein? C'est la première fois que tu viens dans cette maison. Tu dois apprendre quelque chose. Tinello. Tinello. C'est bien moi. Agadinga bogadonga. Chalachala. Thank you.
Tinello. J'ai cogné, mais tu n'as pas ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Que cherches-tu ici? Ton frère a dit que tu apportes du vin pour notre invité. Bébé, il y a quelque chose. Oluchi a observé ta sœur, bien que ça ne soit pas encore confirmé. Tu parles de ma sœur Chinello? Oui. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, tu dois me promettre que tu ne prendras aucune décision drastique envers elle. Tant que je serai encore dans cette maison, jusqu'à ce que ce soit confirmé que c'est vrai. Tinello. Tinello. Est-ce qu'elle t'a encore insulté ou manqué de respect? En fait, je vais la faire partir au village d'où qu'elle vient. Si elle a fait le mal... Non, non, chérie, attends. Je ferai. Raison pour laquelle tu dois me promettre. Et aussi, elle n'a absolument rien fait contre moi. Eh bien, à cause de la mort, je le promets, elle ne rentrera pas au village. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Chinello présente les premiers symptômes d'une grossesse. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis désolée. Attends, ma chérie. Ma chérie, tu sais que mon amour est beaucoup. Mais ça, je crois pas. Répète ce que tu viens de dire, pour que je sais que j'entendais bien. J'ai dit que Chinello est peut-être enceinte. Crois-moi, Oluchi était une pro en matière de grossesse et d'avortement. C'est elle qui l'a observé. Ma chérie, jamais je... accepte ça. Jamais ça, au grand jamais. Tu sais que je t'aime vraiment beaucoup, mais à ce sujet, non. Tinello, ma sœur, ne peut pas être enceinte. Comment elle peut être enceinte? Elle a bu dans l'eau? Ok, elle enceinte des jus de fruits qu'elle boit dans cette maison? Ou du vin blanc que j'achète? Ou encore du vin rouge? Comment? Ce n'est pas possible. Écoute, dis à Oluchi qu'elle observe souvent très bien, mais cette fois-ci, non. Chérie, ça se voit que tu as sommeil. Allons-y, dormir. Je ne suis pas un bon médicament, mais ça, je le reconnaître. Allons-y dormir, il se fait tard. Est-ce que je dois t'apporter? Laisse-moi t'apporter au nom de l'amour. Écoute, quand j'ai vu un film des Indes, ils portaient des gens comme ça. Oh, ma chérie, tu as commencé à bien manger. Tu pèses, mais je te porte au nom de l'amour. Chinello! Grand frère, s'il te plaît. Ah, Chinello! S'il te plaît, sors de cette maison! Écoute, il faut que tu foutes le camp d'ici! Si je te tue, non, je partirai en prison et tu paieras pour sortir de là! Chinello, sors de chez moi! Ne me fais pas qu'est-ce sortir, qui va pas chez toi? Non, sors d'ici! Non, s'il te plaît, grand va-t'en, dehors! Va-t'en d'ici! S'il te plaît! Ramasse tes choses et fous le camp! Grand frère, je t'en supplie, s'il te plaît, grand frère, s'il te plaît! Ramasse et dégage de ma maison! Grand frère, s'il te plaît! Chinello, tu es encore là? Je t'ai dit de partir! Pars d'ici! Mon grand frère, s'il te plaît, je t'en supplie, mon grand frère! Est-ce que t'avais pas mangé? Est-ce que t'avais pas mangé dans cette maison? Grand frère, s'il te Chinello, plaît. Chinello, tu me décèves. Chinello, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? S'il te plaît. Va rejoindre cet homme qui t'a bombardé. S'il te plaît. S'il te plaît, mon je frère. Je ne te fais plus dans mon maison. S'il ça ne sert à rien de faire plaît. Ça. Chinello, va t'en pousser. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Donc, tu veux pas rentrer, village? Tu crois que c'est chez moi que tu vas partir rester? Rester avec ton grossesse? Que je te retrouve ici. Si je te retrouve ici, dans mon maison, tu verras. Je t'ai averti. Grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, ça va. Aide-moi, mon frère. Je suis là maintenant, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, je suis là maintenant. S'il te plaît, okay. Aide-moi, supplier mon frère. Ça va aller. Joseph. Donc ça, c'est ton travail. Joseph, donc c'est toi, l'ontouille, qui a engrossé ma sœur.
Oh, je ne savais pas que tu étais le frère de Judas Iscariote. Maintenant, je t'ai attrapé. Oui, je t'ai attrapé. Tu as enceinté ma sœur. C'est pas un problème. Ce qu'on sème, on le récolte. Pas de problème. Mais tu vois, toi, tu t'en vas de ma maison. Va-t'en de chez moi. Chinedou, s'il te plaît, du fond de mon cœur. Je suis vraiment désolé pour tout. Mais sache que dans une certaine mesure, tu l'as causé. Joseph, que Dieu maudisse celui que tu dis que tu es désolé. Joseph, que Dieu maudisse celui qui a fait ça. Est-ce que je t'ai demandé de mettre enceinte ma sœur? Joseph, est-ce que je t'ai demandé de mettre enceinte ma sœur? Laisse-moi te dire la vérité. C'est la conséquence directe de ton favoritisme envers une fille contre ta propre sœur. Après que tu parles ton gros français, va et cherche l'argent avec. Maintenant, dégagez d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage-toi, s'il te plaît. Attends-moi. Viens encore là. Calme-toi, s'il te plaît. Dégage d'ici. Oui, c'est bon. Attends, je ne veux jamais t'envoyer ici. Jamais. Dehors. Ça va, calme-toi et s'en va. Calme-toi. C'est quoi ça? T'as pas hésité une seconde? Ouvre ta jambe. Tout le temps. Écarté. Et toi, méfie-toi. Méfie-toi. Toi aussi, tu as une sœur. T'as une petite sœur. Je le sais. Anoufia. Va-t'en de chez moi. Idiot que tu sois. Dégage de chez moi. Joseph, j'ai jamais su que tu t'es. Judas Iscariote. T'as osé enceinte ma sœur, n'est-ce pas? Pas de problème. Elle s'est dit être mon amie. C'est pas ta faute. Que je te vois encore ici. Que je fous encore tes jambes dans cette maison. Regarde-moi ça, idiot. C'est pas ta faute, Joseph. Je croyais que j'étais une amie alors que tu me poignardais sur le dos. Imbécile, c'est pas ta faute. Si tu reviens ici, je vais te tuer et en prison. Sale part. Ma chérie, Dieu m'a bénie. Et cette coiffure te va très bien. Oh, merci ma chérie. C'est vraiment très bien. Les gens me demandent ça partout. Je peux t'apporter une autre couleur si tu veux. Ah, ça c'est bien ma chérie. Apporte ça. Apporte le blond. Apporte le noir. La même coupe. Tante, c'est une gosée. Ah, voilà Idioma. Hein? Hey, Idioma. Hey, Idjé. Hey, bienvenue. À mon commandement. Sois la bienvenue, ma chérie. Je suis fière de toi. Ta mère, ma sœur qui est au village, est fière de toi. Tout le Nigeria est fier de toi. Oh oui, nous sommes tous fiers de toi. Merci, merci beaucoup. Merci. Ah, Dieu a vraiment été merveilleux. Hey, je suis maintenant une diplômée. Et je suis prête à voler plus haut que ça. Hey, bon retour de ton service. Merci, pour la nation. Merci, merci, tantine. C'est au tour du Nigeria de te servir. Oui, oui, il doit te servir. Ma chérie, viens à l'intérieur. Laisse-moi cuisiner quelque chose de chaud et d'épicé. Allons dedans. Bienvenue. Chinekeno, Mélie, Chinekeno. Ma jolie chérie. Je suis très content que tu sois rentrée solide et en bonne santé et heureuse. Après ton service pour la nation, je suis heureuse. Merci, merci beaucoup, Chinedou. Merci, merci vraiment beaucoup. Dieu t'a vraiment utilisé pour changer ma vie. D'une fille esclave, seule et maltraitée, à une grande, diplômée, distinguée que je suis. Attends. Ce que j'ai fait pour toi, je ne l'ai fait pas par amour. Ouais, je ne l'ai pas fait pour une autre raison, je l'ai fait par amour. Et ça venait tout au fond de mon cœur. Hey, ma chérie. Dieu, merci, parce que tu es mon unique investissement. Mm-hmm. Tourne-toi, laisse-moi te voir. Tourne-toi. Ma chérie, il y a un truc que je vois souvent. Tous ces jeunes qui reviennent du service, ils font comme ça, comme les gens de l'armée. Gauche, droite. Boum. Allez, à l'intérieur. Hey, ma chérie. Choco, tchaka, choco, tchaka. Eh, mon beau-fils, mon adorable beau-fils. Et d'où Brasil? Dis-le encore. Et d'où l'international? Tu as fait le tour. Après toi, c'est toi. Hey,
Hey, mon beau, je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas où commencer. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pas de problème. Hein? Hey, Dieu te bénira. Pas de problème. Tout ce que ta main touche est béni. Hein? Pas de problème. Bienvenue. Tu sais que je n'aime beaucoup Idioma. Oh. Et je ferai toujours ce qui la rendra heureuse. Je le ferai tout le temps. Hey, écoute. Il n'y a qu'un homme aveugle pour ne pas voir que tu aimes cette fille de tout ton cœur. C'est tellement évident au regard de tout ce que tu fais. Hein? Content que tu le sais. Hey, ce que tu fais me touche jusqu'au fond de mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas quelqu'un comme toi pour m'aimer de la façon dont tu aimes Idioma. Pardon, est-ce que tu n'as pas un frère célibataire qui est comme toi? Ah, tantine Gozi. Ne penses-tu pas que tu es trop vieille pour ça? Hey! Oh, ma chérie! Tout ce que tu vois là, c'est juste de la graisse. Oublie ça. À l'intérieur de moi brûle une flamme. Une flamme ardente. Maintenant, tu fais comme mon gamin. Mais où est Idioma? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Je pense qu'elle sert encore la nourriture de Hank Chinedu. Me voici, oh! Désolée d'avoir pris autant de temps, d'accord? Oh, encore moi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir mis aussi long. Je devais m'assurer que tout soit parfait pour mon amour. Hey, hey. Ça y est, mais encore. Hey. Tantine Gazi, je vois pourquoi je veux plus perdre le temps pour qu'elle soit ma femme. Je vais le faire immédiatement. Hey, Chileke. Comme ça, je pourrai manger ceci tout la jour, tout la jour. Je ne peux plus attendre. Hey, mon amour, chérie. Peu importe, quand tu seras prêt, je le serai aussi. Ah, oh, j'ai un indienne. T'as entendu ce qu'elle a dit? Tu sais quoi? Est-ce que tu sais que je suis prête? Depuis que je l'ai rencontrée, depuis que je l'ai vue marchant dans la rue, et qu'elle pleurait. Moi, je revenais de chez ma maquette où je sortais, mangeais dans un restaurant. Elle pleurait comme un bébé. Depuis ce jour, je suis prêt, mais tu ne le savais pas. Il n'y a pas de problème. Tantine Gozi, s'il te plaît, j'aimerais connaître la liste de la dot dans ton village. Combien coûte la dot dans ton village? Parce que je voudrais faire le mariage traditionnel rapidement. Oh non, chez nous, nous n'aimons pas trop l'argent, tu sais. En tout cas, tu sais qu'elle est enfant unique. Puisque son père est décédé, le processus ne sera pas long. C'est juste que, comme sa mère est au village maintenant, il faudra juste rénover sa maison. C'est l'essentiel, c'est tout. Rénover, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Nous sommes une famille saine. Il n'y a pas de problème. Ok, dis-moi, combien peut coûter la rénovation d'une maison dans un village? Très peu d'argent. La petite monnaie, je dirais. Le prix de ton frigo pourrait couvrir la rénovation de la maison du village. Hey, le grand boss. Après le repas, nous allons nous asseoir pour parler de la préparation du mariage. Et laisse-moi prendre un peu d'eau pour toi. Mange avec moi. Attends, j'arrive. Mange avec moi. Mange avec moi. Petite timide. Timide que tu sois. Je sais que tu ne veux pas la question. Même si tu ne veux pas la question, je vais quand même la poser. Et d'où l'international. Mange. Ici, c'est chez toi. Rassure-toi de me donner la liste ainsi que la rénovation. Je vais m'assurer que ce soit fait. Combien ça coûtera? Combien? Ça ne peut pas nous allons manger avant la réunion. Tinedo. Et d'où on why? Donc, c'est ton bureau. Le seigneur est merveilleux. Hein? Hey, ça, c'est une agréable surprise. Joseph. Sois le bienvenu dans mon nouveau merci. Bureau. Merci. Hey, Joseph, mon ami. Pas seulement mon ami, mais aussi mon beau-frère. Hey, c'est parfait. Bien sûr que je suis ton beau-frère. Bien que tu as refusé de m'accepter quand je suis venu épouser ta sœur. Oh, Joseph, ne prends pas les choses comme ça. Si tu le fais, je vais commencer à pleurer. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pour ton mariage. C'est pour ça que je suis essayé de te supplier de m'aider à demander pardon à ma sœur Chinelo. S'il te plaît, pardonnez. Hein? S'il te plaît. Hein? Eh bien, en réalité, nous n'avons pas de rancune envers toi. Oh. Ce n'est pas nécessaire. Merci. Hey, Joseph, cet endroit est joli. Hey, j'ai entendu que ma sœur Chinelo
a eu des jumeaux. Tu vois, Sophie, oui, Sophie est imprévisible. Oui, comment vont les jumeaux et leur mère, Tinello, ma petite sœur? Eh bien, les jumeaux se portent très bien. Ils se portent très bien. Ça, c'est très bien. Et mon adorable femme, ta sœur, se porte aussi très bien. Merci, et j'en profite pour te dire qu'elle est allée hier à Dubaï pour un voyage d'affaires. Qu'est-ce que t'as dit? Aller à Dubaï. Ai-je bien entendu? Dubaï. Tout se passe très bien. Tout va très bien. Merci, ma Dieu. Merci, Seigneur. Oh, ça c'est vraiment très bien. Bien sûr, bien sûr. Très bonne nouvelle. Je suis content. Vraiment content. Eh oui, nous donnons gloire à Dieu. Eh oh. Ah, ma petite sœur. Et à Dubaï. Chinedu. Ah, ouais. Tu as dit que l'une des raisons pour lesquelles tu étais venu, c'était pour me demander pardon. Oui, mon frère. D'accord. Maintenant que tu as été pardonné, quelles sont les autres raisons qui t'ont fait venir? Joseph, ma meilleure amie. Tout d'abord, je voulais te féliciter pour ce nouveau bureau et ce nouveau poste. En tant que... président du syndicat des commerçants. Odelaïsé. Odelaïsé. Et dans les Ikoune-Lou. Odelaïsé, mon frère. Tu es vraiment très drôle. Toutes mes félicitations. Mes félicitations. Merci, merci. Merci. Très bien. Joseph. Emana. Nibosuna, Akakaoke. Agambo Kibeya, Kawako. Je t'écoute. Mes affaires ne marchent plus. Ouais, mes affaires ne marchent plus. Et en tant qu'une personne réfléchie, je ne dois pas laisser mon business tomber avant de commencer à chercher une solution. Ok. Comme tu es le président de l'association des commerçants et aussi mon beau-frère, je suis là pour te demander un prêt de la caisse de l'association. Je t'en prie, ma frère. Donne-moi ce prêt pour que je relance mon business. Je t'en prie. Je t'en supplie. Je sais que tu vas pas me l'abandonner. D'accord. De combien s'agit-il? Ce dont j'aurais besoin, c'est de... 5 millions de naira. S'il te plaît, j'ai besoin de ça avec l'urgence. Ça va vraiment beaucoup m'aider. 5 millions. Je t'en prie. Très bien, pas de problème. Je verrai quoi faire pour toi. Hein? Nous formons maintenant une famille. Hey! Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour t'assister. Hey! Joseph, Joseph! Joseph le menuisier! Joseph, mon ami! Mon ami! Hey! Je le savais! Et tout au toit, je savais que tu n'allais pas me décevoir. Je l'ai dit. Je savais que tu n'allais pas me décevoir. Je l'ai bien dit. Je savais que tu n'allais pas me décevoir. Merci c'est beaucoup. C'est maintenant ce que tu dis, hein? Merci beaucoup. Nous sommes maintenant tes beaux-frères. T'es mon beau-frère. Je suis ton beau-frère. Beau-frère, beau-frère. Beau-frère plus beau-frère. Et ton beau-frère. Hey! Et tout au toit, merci beaucoup. Hey! Je ne peux pas sortir de ce bureau sans trinquer. Donne-moi boire. Donne-moi boire. Je ne sortirai pas de ce bureau. Donne-moi boire. Ah. Sœur Idioma, bonjour. Bonjour, Olivier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Que fais-tu ici aussitôt? Aujourd'hui, c'est dimanche et je suis venue inviter le frère Marcus à l'église. Et je t'invite aussi. Une minute. De quel frère Marcus tu parles? Moi, bien sûr. Je peux voir que tu es surprise. Écoute, je sais que j'ai été un homme à femme. Et tout ce qui va avec, quoi. Mais merci à... Merci à Jéhovah Elohim Eloha. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis désormais un né de nouveau. Et en ce moment où je suis en train de te parler, je vais à l'église pour louer le Seigneur. Donne-moi un alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai. Frère Marcus, ici présent, a donné sa vie au Christ. Ah.
Celui-ci, ce célibataire endurci et coureur de jupons invétéré, elle est le nouveau. Hey! J'aurais tout entendu et tout vu aujourd'hui. Hey, attendez. Donc vous voulez dire que tous les deux, vous êtes maintenant frères et sœurs en Christ? Exactement. Ok, pas de problème. Vous pouvez partir. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Ainsi soit-il. Hé, hey, ma sœur en Christ, ne t'inquiète pas pour elle, ok? Je suis sûr que Satan est en train de danser, baisser, dans sa tête. Ça, c'est sûr. Satan est en train de danser chaque coup dans son cerveau. Donc, ma sœur, ne t'en fais pas. Ils vont louer le Seigneur. Non, je dois revenir ici une seconde fois pour lui prêcher l'évangile. Elle doit être sauvée. Ne t'en fais pas. Oui, elle doit être sauvée. Et baptisée aussi. Connais-tu l'amour de Dieu? Il est si grand. Oh, l'amour de Dieu. Frère Marcus, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, quand tu es né de nouveau, deux fois, c'est... Ouais. Ok, allons-y. Deux fois, ça embrouille un peu. Allons-y. L'amour de Dieu est si grand. Oh, l'amour. Tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Chérie. Oui, ma chérie. Ma mère a envoyé une idée de combien ça coûtera pour rénover sa maison au village. Mais je suis inquiète que ce soit trop cher. Beaucoup. Alors, de combien est-ce qu'il s'agit? Peux-tu imaginer qu'ils ont estimé cela à environ 3 millions de naira? Est-ce qu'ils sont en train de construire une nouvelle maison ou quoi? Comment puis-je espérer que tu dépenses une si grosse somme d'argent et payes encore ma dot et d'autres choses? Ma chérie, détends-toi. Détends-toi. Regarde comment tu es en train de parler de ça et ta face fait. Regarde, les règles. Tout ça parce que tu parles de 3 millions de naira. Ce n'est pas un problème. Je vais te donner cet argent. Est-ce que ce n'est pas de 3 millions que nous parlons là? C'est pas le milliard, mais sans les millions. Écoute, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? N'es-tu pas celui qui s'inquiétait dernièrement que tes affaires ne marchaient plus à cause de la récession? Comment comptes-tu trouver cet argent maintenant? Chérie, calme-toi. Laisse-moi me plaindre. Je suis celui qui se plaigne de la récession et les affaires ne marchent pas. Maintenant, peut-être que mes affaires ont repris grâce à la mort. Détends-toi, je vais te donner cet argent. C'est pas à cause d'une petite somme que je ne pourrai rien faire pour ta mère. Détends-toi, je te donnerai de l'argent. Laisse-les rénover la maison. J'irai toujours payer ton dot et t'épouser. Tu vois, quand je dis que tu es le meilleur... Regarde alors. Tu vois, tu es le meilleur. Un petit câlin comme ça pour 3 millions de naira, tu pensais qu'il s'agissait de 300 000 naira? Pardon, embrasse-moi bien, tu fais comme les filles qui passent dans les séries des Indes. Ça vaut 2 millions. 2,5. Hey. Il reste 500 000 naira. Donne-moi ça, ça m'appartient. Aïe. Ce bisou atteint une autre dimension. Dormons, il se fait tard. Dormons. Laissons le reste. Adieu. 3 millions de naira, c'est pas 3 naira. Mon flair, Joseph. Mon ami. Edou Edouard. Mon beau flair. Mon flair, je vais te dire merci beaucoup. Pour ma demande de prêt que tu as acceptée. Je t'en prie, ça va. Non, bien. C'est pas seulement ça, mon flair. Esmifana, bien. Je suis aussi venu pour t'informer à propos de mon mariage. Voici l'invitation. Mon mariage est dans bientôt. Pas seulement ça, j'ai apporté quelque chose pour arroser ça. Edou Edouard. Ouvre ça. Kiyanien. Ça fait plusieurs années que j'attends et mon investissement va enfin produire. Le temps de Dieu est le meilleur.
J'espère que tu as bien lu. Idioma, épouse, Tinedo. Et du Brésil. Et du Brésil. C'est une très bonne nouvelle. Oh. Hein? Mais félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Ah. Mon frère, je suis si heureux pour toi. Hey. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup. Hey. Hey. En fait, ma femme et moi ferions tout ce qui est à notre pouvoir pour soutenir ce mariage. Hey. Hein? Hey! Oyekaomo! 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 Je serai très très fier pour le soutien. Je suis très sûr que ma femme sera heureuse d'entendre cette bonne nouvelle. Merci! Hein? Laisse-moi l'appeler dessus. Merci! Hein? Je serai très très fier pour le soutien. C'est pour cela que la famille est importante. Hey! Pom pom pom, t'es Dieu. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ma chérie? Chaque fois que je l'appelle, elle ne décroche pas. Je n'ai pas de ses nouvelles, mais je sais qu'elle est au village avec sa mère. Calme-toi. Mon ami, ne me demande pas de me calmer. Je m'en fiche. Si tu ne peux pas me dire où elle se trouve au village, seulement ce week-end, nous devons nous marier ce week-end. Pourtant, on ne sait pas où elle est. Tout, mais l'ami m'appelle déjà. Je ne sais pas comment les répondre. Je renvoie les appels parce que je ne sais pas quoi dire. Que la mariée a disparu et tu me demandes de me calmer. Est-ce que tu sais ce qu'elle fabrique? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je dois me transformer en Idioma? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas en quoi je peux te transformer. Si tu veux, tu te transformes en vautour. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Que la date de notre mariage traditionnel est déjà passée. Mais ce n'est pas un problème. Tu vois ce billet d'invitation? Je l'ai déjà donné à tous mes amis et connaissances. Toute ma famille est au courant de ce mariage. Tu vois, ce samedi, ce mariage civil doit se faire. Sinon... Tu veux que je te dise ce que je vais faire? Que ça ne se passe pas et on verra. Préparez-vous. Je vous ai dit. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Je ne connais pas. En fait, je ne veux même pas savoir à quel jeu vous jouez. Ce mariage aura lieu par tous les moyens. Sinon, vous saurez de quoi je suis fait. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Now, wow. Regardez-moi les problèmes. Ah, Go, si tu souffres. Tinedo, assieds-toi. S'il te plaît. Eh bien, c'est arrivé. Bien que nous t'ayons mis en garde contre cette fille et sa mauvaise tante, tu n'as pas écouté. Je ne te reprocherai pas de t'être ramassé à cause de l'amour. Et d'où tu as donné le meilleur de toi pour cette fille. Mais c'est désolant qu'elle t'ait payé de la manière la plus cruelle comme c'est le cas.
Mais c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de courage, mon frère. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Shinedo, tu es un homme. Qu'est-ce que tu fais? À cause de cette fille? C'est pas vrai. S'il te plaît, bois. Si ça va t'aider à reprendre tes esprits. Bois un coup. Tu n'es pas censé pleurer pour une fille. Shinedo, bois un coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le vraiment meilleur très agréable. C'est le meilleur choix. Frère Marcus, ouais, c'est ce que je te disais la fois dernière. C'était comme si... Frère Tinedo, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Lothier. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sens l'alcool. Et en plus, tu fumes. Quand as-tu commencé tout ceci? Hey! Oh. Aussi à cause d'Idioma? Oui. Hey! Ma chérie. Je sais que tu as trop fait pour Idioma. Pourtant, elle a choisi de s'enfuir avec un autre homme. Mais ça ne signifie pas que tu dois ruiner ta vie. Ce n'est pas la fin du monde, frère Tinedo. Calme-toi. Il y a encore de l'espoir. Regarde les actes que tu poses. Ça ne te ressemble pas, frère Tinedo. Non, vous ne pouvez pas me comprendre. Hey! Écoute, frère Tinedo. Mon frère, Jésus t'aime. Oui. Viens à Jésus. Jésus est bon. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir, hein? Mamie. Écoute, Seigneur, mon frère. Est-ce que tu sais le nombre Seigneur. De fois que les femmes ont brisé mon cœur de nombreuses fois? Mais oui, mon véritable ami, Ebonyama, m'a fait écouter la musique de Timaya. This life, you can kill yourself. Ma chérie. You can kill yourself. Oh. You can kill yourself with torture. With smoking. Cet idioma dont nous parlons, est-ce que tu sais ce qu'idioma m'a fait? La même chose. Mais grâce vous à Elohim, Eloha, le Dieu Tout-Puissant, je suis né de nouveau. Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mon investissement. Seigneur. Mon investissement. Ma chérie, mon investissement. Si seulement je pouvais voir mon investissement maintenant. Je sais que notre amour reviendra ici. Je sais que notre amour. Hey, mon investissement. Mon frère, je sais que tu souffres, mais je te conseille comme mon frère. N'investis jamais ton argent sur une femme. Investis-le à la banque. Tu en auras plus par intérêt. Hein? Tu vois, maintenant, regarde ce que tu as causé. Eh bien, comme c'est ton... Qu'est-ce que tu ton souhait, quoi. Ta... Oui. Idioma est à la maison actuellement. Oh oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dieu a exaucé ta prière. Ta Idioma est actuellement avec sa tante. Une minute. Tu es en train de dire que ma chérie, mon investissement... J'ai posé. Ouais. Hey! Frère Tinedo, vas-y doucement. Vas-y doucement, s'il te plaît. Ma chérie! Que le Seigneur Jésus-Christ touche ton cœur pour que tu voies mieux. Hein? Seigneur, prends pitié. Hey! Seigneur, prends pitié de la vie de cet homme. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu m'as béni. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu m'as béni. Dieu va me sauver, ne t'en fais pas. Elohim, Eloha. Tantine. Dès que John et moi irons aux États-Unis et nous y installerons, je trouverai un moyen pour vous faire venir ma mère et toi pour que vous nous rejoigniez. Hey! Tantine, tu sais, ce pays et son climat n'est plus du tout adapté pour nous. Hey! Ma chérie! Hey! Tu penses exactement comme moi. Aucun sentiment. Tu sais, je sais que tu avais l'impression que j'étais très dure avec toi avant. Mais je voulais juste que tu t'endurcisses.
pour faire face aux difficultés de la vie comme moi, ta tante. Hey! Hey! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Seigneur, t'es vraiment merveilleux! Hey! Donc, c'est vrai? Ma chérie, donc, c'est vrai? Hey! Hey! Je n'arrive pas à croire que je te vois. T'es vraiment devenue très belle à l'étranger. Hey! Ma chérie, je savais que tu reviendrais. Je savais que tu allais revenir. C'est parce que je te manque. Hé, hey, Chinedu, pourquoi es-tu entré chez moi de la sorte? Ferme ta bouche. Tu vas te taire. C'est pas toi que je parle. Ah, tu ne vois pas que je discute avec mon investissement? Regarde-moi ça. Faut le fermer. Je ne suis pas ton investissement, Chinedu. Comment ça? Je suis désolée de la façon dont les choses ont tourné entre nous. C'est la réalité de la vie. Il faut avancer. Ma chérie, je ne comprends vraiment rien. Idioma, tu sais que je t'aime. Et qu'en est-il de toute cette promesse que l'on s'est fait tous les deux? Qu'en est-il des rêves et des plans que nous avons? Cela ne veut rien dire pour toi. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de parler comme un enfant, tu n'en es pas un. Écoute, j'ai vraiment fait de mon mieux pour vivre avec toi. Mais ça n'a pas marché. Ah, tu es trop villageois pour moi. Villageois? Et tout Brésil? L'international? En passant, regarde. J'ai trouvé quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de vraiment mieux. Non, ne fais pas ça. Mais chérie, mais c'est quoi ça, non? Enlève ça. Laisse-moi tranquille. Enlève ça. Dit, laisse-moi tu peux tranquille. Pas rejeter mon amour comme ça. Laisse-moi tu tranquille. Tu peux pas rejeter mon j'ai amour dit, comme laisse-moi ça. Laisse-moi tranquille. Jamais. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Mon amour. Hein? Est-ce qu'elle fait semblant? Que fait-elle? Qu'est-ce qui se passe? Idje. Idje. Chinedu. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chinedu, qu'est-ce qui se passe? Idje, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Idje, qu'est-ce qui se passe? Idje, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie. Idje. Ma chérie. Hey! Ma chérie. Hey. Non, je ne l'ai pas touché. J'ai rien fait. Idje. Je voulais juste, hey. Juste prendre la bague. Idje. Ma chérie. Idje. Ma chérie. Qu'est-ce qui lui arrive? Idje. Ma chérie. Oublie la bague. T'as tué. Je voulais. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est comme ça que c'est. C'est. Que c'est arrivé. Aïe. Oh, j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Parce que pour finir, on perd les gens que l'on aime. Aïe. Seigneur. Seigneur. Tu sais très bien que j'aimais mon amour. Tu sais très bien que j'aimais Idioma. La tuer n'était pas mes intentions. Je ne voulais pas tuer ma chérie. J'espère que tout le monde apprendra de mes erreurs. Si tu n'es pas prêt à te marier avec une personne, arrête de prendre ses cadeaux, son argent et tout ce que la personne peut vouloir te donner. Même son espoir. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi. Jamais je ne réaliserai mes rêves. Et dis-moi, jamais nos rêves se réaliseront. Ça ne va pas se réaliser. Je ne voulais pas te tuer, ma chérie. Sois un homme. Tu sais que je ne voulais pas te tuer. Ça va. Tu sais que mon cœur est pur. Sois un homme. Pas te tuer. Sois un homme. Cesse de pleurer. Ça va. Ressaisis-toi. Cesse de pleurer. Ressaisis-toi. Comment aurais-je pu tuer ma chérie? Je l'aimais tellement. Ça va passer. Aïe. Le tout, c'est de ne pas perdre patience et de te calmer. Calme-toi. Ok? Cesse de pleurer. Tout ceci va passer. I feel about you. You already know.
Baby girl, I wanna talk to you. You already know how I feel about you, yeah. Oh no, no. When I wake up in the morning, all I think about is you. All I think about is you. And when I'm lying on my bed, all I dream about is you. All I dream about is you. Where do you put for my head? Put for my head, put for my body. Come on, that's where you put for my head. Talk to you, talk to you, talk to you. You already.